see a sale. God said, listen. All right. Bon. Si vous êtes dans la place, dites je suis là. Je ne vais pas tomber sur ce direct par hasard. Ok? Vous savez que c'est le 5 aujourd'hui, c'est le jour des lavages du mois. Donc avant que je ne me lance pour faire les lavages, j'ai donc l'Esprit de Dieu qui me dit assois-toi, je dois te parler. Et là, je dis ok. Qu'est-ce que tu as à me dire? Là, il me dit ok, tu verras. Donc, ce message est très, très chargé. Et il n'y a que les choisis qui vont le reconnaître. Tout le reste, vous allez vous dire, mais la fille, elle est folle. Pourquoi elle parle de ça? Qu'est-ce qu'elle raconte? Vous êtes dans la saison d'Abraham. Tapez en commentaire, je suis dans la saison d'Abraham. Vous allez taper dans la bénédiction d'Abraham. Donc, j'ai des portions de script, de passage biblique que je vais vous donner. Donc, je couvre ce direct par le sang de Jésus. Je viens annuler toute incantation, toute distraction, toute personne qui va vouloir se pointer ici et immobiliser les gens. Je viens t'immobiliser. Je viens briser les calebasses, les boules de cristal maléfiques utilisées sur ma page au nom puissant de Jésus. Je viens mettre la lumière dans vos vies pendant que vous m'écoutez. Seigneur, je demande que tu apportes ta lumière et que cette lumière claire donne la clarté à tes enfants. Je chasse toute personne qui vous emmerde pour que vous ne puissiez pas écouter ce que je vais dire. Je chasse toute mouche maléfique, tout insecte maléfique qu'on a lancé dans votre maison. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes dans la saison. Je sais que vous allez dire que maison, mais il n'y a pas de problème. Vous êtes dans la saison. La saison, c'est toute une période. Et je dois vous l'annoncer. La Bible dit toujours qu'avant que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il doit d'abord annoncer. Et il annonce en passant par ses prophètes. Donc je me place aujourd'hui en tant que prophétesse. Prophète, prophétesse, tout ça. Et en tout cas, c'est qu'il y a prophétie, tout ça. Ok. On va prendre deux passages. Beaucoup d'entre vous, vous avez passé des saisons très inertes de votre vie. Donc le Seigneur m'a parlé de Anne. Anne n'avait pas, elle souffrait. Elle était dans le désarroi. Quand Dieu a ouvert le ventre d'Anne, Anne a fait beaucoup de sacrifices. Elle a fait une promesse à Dieu. Dieu a donné. Donc ton premier truc, ton premier argent que Dieu va te donner, là, tu vas encore redonner à Dieu. Vous écoutez, ton premier n'importe quoi que Dieu va te donner, tu vas redonner à Dieu. Parfois même ton premier mariage, tu vas le sacrifier. I'm just saying. Je dis ce qui sort de ma bouche. Le premier mariage même, tu vas te retrouver en train d'abandonner, de le sacrifier à nouveau. Parce que tu sais que tu dois suivre ta mission. Donc, Anne n'avait rien comme enfant. Son mari donnait beaucoup d'argent. Quand Dieu a ouvert le ventre d'Anne, elle a pris son premier enfant, elle a retourné à Dieu. N'est-ce pas? Anne a encore accouché 5 enfants. Supposons Anne a commencé à accoucher à 45 ans. Ça veut dire que
Même à 50 ans, elle a couché encore. Ça veut dire qu'à 50 ans, elle a couché encore. Quelqu'un qui a passé 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 45 ans sans accoucher. Elle n'avait jamais eu un retard. Jamais fait de fausse couche avant que c'est même sorti. Je dois absolument vous dire qu'il y a des choses qui sont dans votre vie. Des choses que vous n'aviez jamais vues. Ma chérie, tu as 37 ans. Tu n'es jamais tombée enceinte. Ne te dérange pas. Janvier, si maximum février. L'enfant va, tu vas porter l'enfant dans ton ventre. Écoutez-moi bien. Vous êtes dans la saison où Dieu va vous positionner pour commencer à faire des choses que... Même en rêvant, souvent, tu n'arrivais pas à rêver le genre-là. Parce que c'était dur dans ta tête pour voir. Deuxième chose que Dieu m'a montré. Job avait. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous aviez. Après, vous avez perdu. Maintenant, Dieu est en train de vous faire entrer dans une saison où tout ce que tu avais avant, il va porter la double portion. Écrivez ici la double portion. Il va encore venir te donner. Tu vas rester comme ça, tu vas dire que, ah, mais avant je tournais dans les 3 millions le mois, non. Comment je suis encore, je suis maintenant dans 10 millions le mois. Il y a de cela 1, 2 ans, tu tournais dans telle somme. Maximum février. Ça va donc, opportunité, business, promotion. Tu vas dire que, ah, je vous ai parlé ce matin de ce monsieur, que ça fait 10 ans qu'il cherchait un sponsor pour venir ouvrir des centres hospitaliers au Cameroun. Le voilà qu'on n'a même pas encore le 10 janvier. Il a déjà un qui dit qu'il va venir dans 3 semaines au Cameroun. Voir seulement le terrain et là, le mois qui suit, on lance le centre. Votre saison de double portion est maintenant. Écoutez, vous ne devez pas manquer. Quand la saison de récolte arrive, si tu rates ça, tu peux perdre toute ta semence. Tout ce que tu avais semé, tu perds. C'est comme quand la nourriture est cuite. Tu as une marge peut-être 20 minutes pour enlever au feu. Sinon, ça va brûler et tout la nourriture va se gâter. Donc, je vais vous lire Genèse chapitre 12. Je vais vous dire comment Dieu deal avec tous vos ennemis. Parce que le problème que vous avez eu, c'est quoi? Ah, tout ce qu'elle raconte ici, là. Tu ne sais pas que mes décepticons, là, ils sont sur la page ici. Ils m'observent. Ah, il y a ma tante qui a bloqué ma mère, elle a bloqué mon père. Elle m'a aussi bloqué. Tu vois comme ça, dit que depuis qu'elle me lave au sel, là, elle est quittée derrière moi. Écoutez bien. Toute personne qui tente de te toucher, la saison, c'est là, il va voir, il va lire l'heure. Il va lire l'heure. Écrivez bien ici, mes ennemis vont lire l'heure. Tu te cachais avant, non? Tu te cachais, non? C'est fini. Quand Dieu appelle Abraham, il a fait 75 ans sans enfant. Il lui dit, l'Éternel dit à Jocelyne, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Tu as déjà fait les kits fondations jusqu'à ça, couper tout ce que les ennemis avaient sur toi comme accroche là, c'est sorti. Tous tes faux ennemis là, tous les produits, tout ce que tu as fait depuis là. Une dame a fait le témoignage tout à l'heure, elle me dit que elle a fait ses lavages, fait ses lavages. Je l'ai fait un lavage avant-hier, je pense. Je l'ai fait un lavage d'autre jour. Elle me dit que elle dans le rêve, elle rêve comment elle prend un liquide comme ça là. Elle asperge sur les ennemis qui étaient en train de déranger sa famille. Elle pulvérise sur eux comme ça là, en parlant. Elle dit, je vous tue, je vous chasse au nom de Jésus. Je lui dis que c'est ça. Dieu est en train de te montrer que les lavages que tu es en train de faire là, c'est en train de payer dans ta vie. Que c'est, écoutez, mes choses, c'est pour celui qui croit. Tu ne crois pas, ne te dérange pas. Quitte ma part, tu pars. No problème. Tu aimes tes problèmes, reste avec tes problèmes. Reste avec tes problèmes.
Il dit, sors de la maison de ton père. Pas là où je vais te montrer. Beaucoup d'entre vous, par la foi, vous allez devoir sauter. Vous allez devoir lancer des business. Vous allez devoir aménager dans tel pays. Vous allez devoir porter vos affaires. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu portes, tu mets dans la voiture, tu pars seulement. Il y a des mariages que tu vas... Dans une semaine, tu ne seras plus dans le foyer là. Parce que tu restes là, tu vas laisser ta peau. Chaque jour, à 5 heures, il te parle. L'esprit te dit, sors de cette maison. Sors de cette maison. Et voici les promesses maintenant qui sont là pour toi. Je ferai de toi une grande nation. Écris ici, je suis une grande nation. Je veux que tu commences à croire ça. Je veux que tu commences à croire. Je suis en train de lire Genèse chapitre 12. Je suis au verset 2. Je suis une grande nation. La parole de Dieu que vous voyez, la Bible, si elle, on ne se casse pas pour des... Hier, j'ai un païen, j'ai un chrétien, pardon, un chrétien, qui vient et commence à me poser les questions. Tu parles des ancêtres, tu crois en qui? Tu crois en qui? Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit que tu sais quoi. Moi, je parle avec la puissance. Toi, là où tu es, là, te vois là. Tu attends que tes prophètes pour courir derrière eux. Tu as la même voix et dis que écoute, je ne vais pas voir un prophète. Oh, prophète, prophète. Prophète. Que tant que tu ne comprends pas que tu es la parole, tant que la parole c'est toi, vous ne devenez pas un. Oublie. Tu attends, tu vas tout lire, écouter les messages des gens en ligne pour prendre leurs interprétations de la Bible. C'est ça que tu fais ton interprétation avec. Hein? Oui, la Bible a dit que les devins et les enchanteurs et les gens qui parlent aux morts, on ne doit pas les... J'ai dit, ok. Quand Jésus est mort, avant de mourir, il disait quoi? Il a dit que si je ne meurs pas, je ne serai pas plus fort. Écoutez, hein? Vos mères qui sont mortes là, hein? Vous allez comprendre leur force. Jésus a dit que I must die, je dois mourir. Et Jésus meurt. Il ressuscite. Il revient les voir. Vous n'avez pas encore compris le mystère de la résurrection. Vous n'avez pas encore compris. Il revient les voir. Il dit que maintenant on peut parler. Maintenant j'ai la pleine puissance. Il dit que ta mère est morte. Quand elle apparaît dans ton rêve, hey, tu te réveilles, tu fais les prières de 3 heures à 5 heures. Je chasse ma mère. Vous êtes fous. Je te bénirai. Écrivez, je suis béni. Et je vais vous dire ce que la bénédiction c'est. Proverbe chapitre 10, verset 22. Voilà l'explication de la bénédiction. Proverbe 10, verset 22. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Donc quand tu es béni, tu deviens riche. Arrêtez votre truc, tu es riche en esprit. Le même chrétien d'hier là me disait que, ça veut dire que tu es riche en esprit. Il dit que regarde, c'est vous, après tu coupes le taxi, tu vas venir me dire que je ne suis pas l'argent du taxi. Vous croyez que vous connaissez? Tu connais la Bible, non? Tu es en train de parler avec moi. Tu es en train de lever d'ici pour partir là où tu pars. Tu vas me demander un taxi, non? Il veut que votre cervelle souffre. Vous comprenez que vous n'êtes pas venu souffrir sur la terre. Et si tu ne vois pas les représentations, les manifestations physiques en or, en argent, l'argent, l'âme, assois-toi avec Dieu, tu dis que Dieu, vraiment, si la femme l'a tort, questionnez souvent les gens qui viennent vous embrouiller le cerveau là. Si la reine Jocelyne qui parle ici a tort, hein, et que vous avez raison, hein, d'accord.
Pourquoi tous vos trucs que je suis depuis des années là, ça m'a jamais donné l'argent? Hein? Souvent vous faites comme si on vous a seulement forcé. Comme s'ils vous ont mis la chaîne sous le cou, comme le chien. On dit viens ici, viens ici. La Bible elle-même dit dans Proverbe 10, verset 22, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc quand Dieu t'a béni, il n'y a pas les douleurs, il n'y a pas les larmes, il n'y a pas les... Jamais. Tant que tu n'as pas encore activé ça dans ta vie, que clic, il n'y a pas le manque sur ça. Pas le truc qu'on t'insulte avant de payer le loyer, ton loyer. Majorité, tu payes même 6 mois à l'avance. Tu tapes 6 mois de loyer cash. Tu as même 3 maisons. Vous parlez même de quoi? Vous a conditionné pour la pauvreté. Asseyez-vous avec Dieu, vous causez avec lui, non? Seigneur, je suis fatigué de souffrir. Le canapé de ma soeur, il est presque troué. Bon, le canapé de ma soeur est presque troué à cause de... Allô? Ah, de rien, papa. Tu as déjà reçu, c'est super. Mm-hmm. Bon appétit. Hein? Mm-hmm. D'accord, gros bisous. D'accord, pas de soucis. Bisous, bonne soirée. Tu me fais signe alors. Mm-hmm. Bye bye. Tu es là, tu souffres. Le canapé de ta soeur, il a troué parce que tu te couches sur un côté sur le canapé. Donc, il y a le trou de tes fesses là-bas. Quand tu dors la nuit, là, les fesses là, ça a creusé un trou sur le canapé de ta soeur. Tu crois que ça lui fait plaisir? Faut entendre comment on parle de toi derrière. Faut entendre comment on parle de toi. Ce qui me vexe sur vous, c'est que vous avez chopé la honte. Et c'est pour critiquer, vous êtes devant. Vous avez chopé la honte. Venez me critiquer. Venez me critiquer. Fin du mois, c'est vous là. Quand quelqu'un m'écrit, mais comment dire que je cherche l'argent de. Tu cherches 20 000. C'est 20, tu en peux chercher 20 000. Vous allez vous maîtriser, non? Continuons. Genèse 12. Je rendrai ton nom grand. Dans la bénédiction de Dieu, il y a la célébrité. Combien d'entre vous, tu sais que depuis que j'ai 20 ans, je devais être connu. Chaque fois qu'on te voit, tu brilles. Hey. Écoutez. Tout ce que vous dites ici, j'ai subi ça. J'ai subi ça. Je reste souvent cela, je disais que hey, je ne suis pas laide. Je ne suis pas bête. Je suis intelligente. Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi elle fait mais toute personne ne voit? Jusqu'à ça a cliqué dans ma tête. Je ne suis pas dans mon truc. Balerine, qu'elle te dit de lire, hein? Il ne m'a pas de blocage, elle me dépasse. Ça te dépasse que quoi? Ça te dépasse que quoi? C'est la montagne? Parle à la montagne, là, tu lui dis de quitter. Vous aimez souvent montrer que vous êtes bloqué le XXX, extra blocage. Je suis super bloqué. Hein? Ah, la marraine, moi je suis bloqué. Tu es bloqué pour qui? Dieu dit ici là que je rendrai ton nom grand.
Je prophétise sur vous que cette année, on va parler de vous dans les. On va parler de vous au Sénat. On va parler de vous dans les. Les présidents de la République vont vous contacter au nom de Jésus. Déborah, tu dis que tu as contacté la Côte d'Ivoire, t'as dit que c'est fini. Pourquoi tu n'as pas demandé à la personne? Il y a le roi Jocelyn, son numéro est sur cette page. Contacte-le, tu dis ce que tu veux. Oh, you are. Souvent, il ne vous comprend pas. Il y a le numéro sur la page. Prends le numéro, tu écris. Je veux tel produit. J'ai un homme là-bas qui travaille pour moi. Il est à Abidjan, il est à Abata. Je prophétise sur vous, c'est-à-dire que cette année, les présidents de la République, les ministres vont vous appeler. Que madame, s'il vous plaît, je vous envoie le cortège. Venez. On va vous escorter. On va vous envoyer les billets de première classe. Vous allez entrer dans le jet privé l'année-ci, 2023. Tu vas voir l'intérieur du jet privé. Tu vas t'asseoir. On va dire, madame, j'envoie mon jet vous chercher. Oui. L'année-ci. Au nom de Jésus. Et quand il dit qu'il rend son nom grand, et il dit que tu seras une source de bénédiction. Écoutez bien. Tu ne peux pas être béni seul. Valérie, je vais parler de blocage avec toi. Non, tu t'es trompé de personne. Je ne parle pas de blocage des gens avec eux. Tu as compris? Je dis avec le blocage. Je m'assois pour parler de blocage avec ton ami. On en parlera. Tu me connais? Oja! Voilà, expliquez-lui qui je suis. Si on t'explique, tu comprends ce que tu as, bon, t'as pas bien expliqué. Tu seras une source de bénédiction. Écoutez, avant, c'était les tanticônes qui prenaient ton argent pour aller travailler sur toi, te faire du mal. Tu avais l'impression que tu bénissais les gens, alors que c'était les tanticônes qui t'étaient bloqués. L'année-ci, des enfants et des centaines et des milliers d'enfants vont remercier Dieu pour ta vie au nom puissant de Jésus. Des veuves vont s'asseoir quelque part, remercier Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Celui qui vient ici, mais que ses problèmes, il te bloque. Je sais pas si vous parlez de vos problèmes. Je bénirai ceux qui te béniront. On a dit que la bénédiction en majorité, c'est l'argent. Non? Bénédiction égale à. Hein? Donc, je suis béni, c'est-à-dire l'argent. Là, on va venir vers moi. Hein? Maintenant, je serai une source de bénédiction. Ça veut dire que je vais donner l'argent aux gens. Hein? Maintenant, il dit que ceux qui vont me donner l'âme vont recevoir l'âme. Vous devez faire les maths sur la spiritualité. Déduction. Que si on remplace racine carrée de l'âme par le cosinus du sinus de l'âme, ça donne quoi? Ça donne l'âme au cube. La vienne, tu dis que tu veux aider ta famille seulement. Hein? Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Vous êtes borné. Il y a le casque sur ta tête qui t'empêche de comprendre. Pardon, sois sur mon direct. Ma famille. Tu as aidé ta famille depuis, ça t'a amené où? Quand elle lit vos messages, vous êtes tellement bloqué dans votre tête. Jesus. Je n'ai pas. Voilà tout ce que tu dis à longueur de journée. Je n'ai pas. Dans le théorème de l'argent, comme tu as dit, Sultan, il y a toujours la partie où tu donnes. Il y a la partie où on te donne. Et la personne qui te donne, dès qu'il te donne, il reçoit encore. Parce qu'il t'a donné. C'est pour ça que je sais que je ne serai jamais pauvre. Les gens qui me donnent ne seront jamais pauvres. Et donc, pour toujours, jusqu'à l'infini. Oui. Jusqu'on va mettre alpha. Tu vois, quand tu fais, après tu rends compte que ça va jusqu'à l'infini. Tu es que seulement infini, tu laisses. C'est comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui est pauvre, il est très limité dans sa façon de penser. Je suis désolé. I'm sorry. «
Le Seigneur ajoute, je maudirai ceux qui te maudiront. Écoutez bien. Je vais m'attarder sur la partie ici. Tu as très souvent eu peur que, wow. Et qu'en est-il de ceux qui sont chez les marabouts pour me faire du mal? Parfois, tu as même peur de maudire tes ennemis. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu as peur. On te montre dans le rêve le visage de la personne, combien vient t'attaquer, combien vient bagarrer avec toi dans le rêve. Tu te réveilles, tu as peur. Et si elle peur me fait encore du mal, j'ai fait comment? Voilà ça dans la Bible. Ce n'est pas moi qui écris. Dieu a dit que je maudirai ceux qui te maudissent. Attendez qu'il tente encore l'année ici. Certains de vos oncles vont aussi mourir seuls. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tonton Jacob n'était pas malade, non? Naweti, tu te rappelles que la nuit qui a précédé sa mort, tu as fait une bagarre avec quelqu'un dans le rêve. Tu as écrasé sa tête jusqu'à ses yeux sont sortis comme ça là. Tu t'es réveillé, tu as fait le bain de pipi encore. Après, tu t'es couché, tu as vu comment. Ok, tonton Jacobo, est-ce que c'était toi qui. Écoutez, je vous donne le ticket. Écoutez, je vous donne le ticket pour tirer à vos ennemis. Je vous donne l'autorisation ministérielle. Mais la fille, elle est culottée. Hein? Tu arrives à la réunion familiale, tu ne les calcules pas. Ils osent te donner un mot. Barakatatatata, tu sors les paroles sur eux comme ça. Et quand tu parles, ils sentent comment ça pénètre que leur chair. Écoute, hein? C'est trop tard. Depuis que je te lave au sel là, c'est trop tard. Tu as envoyé leur flèche sur eux. Et ils savent que tu es en train de faire ton travail spirituel. Tu as compris? Maintenant, ils veulent que tu comprennes que tu n'es pas seulement seul. Tu comprends? Il n'y a pas que toi. Tu as des anges derrière toi. Donc, je veux que vous voyez mes mains comment je suis en train de faire. Derrière toi, comme ça, il y a les gens. À gauche, à droite, il y a les gens. Quand tu sens une parole, quand tu as fait ton lavage, j'écrase la tête de tout serpent, de tout scorpion qui s'est assis sur ma destinée. Tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Je viens vous annoncer que vous, la Bible dit dans Jacques chapitre 5 verset 17 en descendant. The prayer of a righteous man availeth much. La prière du juste a une grande efficacité. Arrêtez de dire que vous vouez leur plan à l'échec. Écrasez la tête. Je veux qu'on dise avec eux. Arrêtez vos bêtises là. Il faut que quelques personnes dans la famille meurent. Tu as seulement dit que j'écrase la tête de tout ennemi. Oh. Une semaine plus tard, telle personne est morte. Je n'ai moi rien fait. Je n'ai pas prononcé ton nom. J'ai seulement dit que si quelqu'un était là, il me cherchait. Si quelqu'un était assis sur ma destinée. Si quelqu'un était venu. Ah, si c'était toi, tant mieux. Deutéronome 28. Verset 7. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Et que je reçois ma victoire sur mes ennemis. Parfois, tu es dans la bataille, tu ne sais pas que tu es dans une bataille. Je vous annonce que toute bataille dans laquelle on va vous mettre, qu'on vous a mis, ou que vous êtes mis dedans, vous avez la victoire. Je ne veux pas seulement que tu dormes bien, Pierrette. Je veux l'argent. Je veux l'argent. Je veux les ouvertures. Tu restes qu'on t'appelle, on te dit voilà. Une femme a commencé, je l'ai consultée, elle a commencé les lavages. Elle n'a même pas encore touché à mes produits. L'autre jour, un de ses collègues, un de ses anciens amis comme ça la contacte. Il est prêt à mettre 500 000 euros sur un projet qu'elle va aller faire
dans son pays. Écoutez, 500 000 euros. Il dit que c'est, il veut que ce soit elle qui coordonne le projet. Pour rien. Comme on dit en anglais, out of nowhere. Je ne veux plus les petits agents là. Arrêtez vos bêtises là. Je ne veux plus ça. Je dors bien. Quittez. Vous ne demandez pas grand. C'est pour ça que vous n'avez pas grand. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Aujourd'hui. Ils sortent contre toi par un chemin. Vous comprenez? Et ils s'enfuient devant toi par sept chemins. Fermez les yeux, visualisez. Voilà ta tante qui vient. Et pas dépenser 500 000 pour te bloquer. C'est ça sa cotisation annuelle pour ton blocage. Ils font les choses, ils prennent ta photo, ils font. Ils lancent la première flèche. Bam! Tu es dans ton lit, tu dors. Tu viens de faire ton lavage. 3 heures, l'esprit te réveille. Tape ta prière là. Tape ton jeûne. Tu fais ton lavage. Tape, tu mets, tu parles. Tu prends ton jujube, tu manges. Tu fesses. Tu vas te coucher, tu dors. Cette flèche se retourne contre la femme là. Bam! Deux de ses enfants tombent malades. Tu n'en as rien fait. Comme on avait bloqué ton mariage là. Ton gars était bloqué depuis. Il a demandé un papier, une autorisation pour partir de son boulot depuis, pour prendre les congés. On dit que si tu quittes le boulot pour partir au Cameroun, on va te renvoyer. Il est bloqué là-bas depuis un an, il ne peut pas venir te voir. Le gars te dit, mon bébé, ma chérie, je suis en train de venir au Cameroun dans 2 semaines. Chérie, j'ai une prime au boulot, une prime de 20 000 euros. Je viens, on fait notre mariage. Je viens, on va faire notre mariage, bébé. Mon bébé d'amour. Je suis déjà en train de faire du shopping pour toi. Tu t'achètes quoi, chérie? Oh, mon bébé. Je sens ça dans moi comme ça, la l'onction de ça, l'onction de ça. Ouh, recevez. Recevez. Vous devez mettre vos deux mains sur cet écran. Recevez. Recevez, 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 recevez. Recevez, recevez. J'enlève toute écaille sur vos yeux. J'enlève tout voile qu'on a mis sur vous pour vous empêcher de voir là où se trouve votre argent. Tout voile qu'on a mis pour vous empêcher d'être vu. Tout voile de pauvreté qu'on a mis sur vos mains, tout trou qu'on a percé sur vos mains, je viens maintenant combler au nom de Jésus. Selon Amos chapitre 9, verset 11, je comble toute brèche dans votre vie au nom puissant de Jésus. Je m'accorde avec chaque personne qui reçoit cette prière, Seigneur. J'active ces anges. Je déclare, certains d'entre vous, vos mains vont beaucoup chauffer. J'active vos anges. Je déclare que l'énergie, la puissance du Saint-Esprit parcourt tout votre corps, de la tête aux pieds, 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 de la tête aux pieds. Je vous réanime tout ce que dans lequel on vous a déposé. On a dit que c'est déjà fini pour lui. Je vous ressors de ce cercueil au nom puissant de Jésus. Je détruis ce cercueil par la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, Rababa Chantara. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour, ça traverse votre corps. Je restaure vos genoux qui font mal. Je restaure la douleur dans le bas de ton dos au nom puissant de Jésus. Je déclare que les maux de tête, les migraines que tu as, ça s'arrête à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Mettez la main sur le front. Je viens mettre les idées dans ta tête. Ces idées qui t'ont été volées. Reçois de nouvelles idées au nom puissant de Jésus. Reçois de nouvelles idées au nom puissant de Jésus. Reçois les nouvelles idées au nom puissant de Jésus. Tout crédit que tu as demandé, tout argent, tout sponsoring que tu as demandé depuis longtemps, tout sponsor que tu attends depuis, tout partenaire de business qui devait venir financer ton activité, qui t'a oublié. Je déclare qu'à cet instant, il se rappelle de toi. Il retrouve ton numéro de téléphone. Il tombe sur ta page Facebook. Il retrouve ton numéro de WhatsApp. Il retrouve ta carte de visite. Et les fonds que tu attendais, je les débloque. Ils arrivent dans ton compte dans les 3 jours qui arrivent au nom de Jésus.
Je demande très très rarement les offrandes. Vous devez faire une offrande pour ce que vous venez de recevoir. Donc, le Seigneur m'a dit, quand vous allez recevoir ce message, scellez immédiatement avec une offrande. Vous savez, vous connaissez ma politique. Je ne cours pas derrière vous pour les offrandes. Parce qu'ils connaissent ce que l'offrande fait sur la vie de quelqu'un. Je ne cours pas derrière vous pour les offrandes. Si on a encore de supplier, si le pasteur doit parler 2 heures de temps pour la quête, tu n'as pas encore compris. Il y a les offrandes, il y a la dîme. Ce que tu n'as pas encore compris. Pas avec ta chicheté. Il y a des choses que vous venez de recevoir. Et l'onction que j'ai, que je ressens ici maintenant, quand vous écoutez les paroles, ça s'active en vous. Maintenant, quand vous allez envoyer l'argent, ça se connecte à la bénédiction qui vient d'être relâchée vers vous. Je viens de lire un passage de Genèse chapitre 12. Il a dit, je bénirai ceux qui te bénissent. Donc, pendant que vous libérez cette bénédiction, je déclare sur vous, vous devez prier quand vous allez libérer cet argent. Ce sera l'argent. Vous m'envoyez, je veux rien d'autre. Envoyez l'argent. Je vais vous donner les canaux par lesquels vous pouvez payer. Il y a WhatsApp. Je n'ai pas Cash App. Il y a PayPal. Le PayPal est sur la page. Aurélie Michel 2017 @gmail.com. A-U-R-E-L-I-E. Donc Aurélie. A-U-R-E-L-I-E. Michel. M-I-C-H-E-L-L-E. Donc Michel avec 2 LE à la fin. 2017. Ajoutez 2017, sinon ça ne va pas passer. @gmail.com. Maintenant, si vous voulez payer par Orange Money, je donne le numéro d'Orange Money. 698-367-221. 698-367-221. 698. Donc, si vous êtes à l'étranger, vous voulez faire le Orange Money, ajoutez l'index plus 237 dessus. Donc, plus 237. 698-367-221. Et le nom, c'est Joséline que vous devez mettre dessus. Joséline. Donc, le deuxième numéro, MTN. Ceux qui sont aux États-Unis, vous voulez faire le SendWave. Plus 237. 680. 71-07-01. Ceux qui sont prêts, je sais que vous allez approuver votre truc pour noter. Donc, je n'ai même pas besoin de le dire plusieurs fois. Et ceux qui me connaissent, ça veut dire que vous faites derrière les dons depuis longtemps. Je vous rappelle juste. Maintenant, si vous êtes au Gabon, vous envoyez à ce numéro 074-18-00-18. Non, 0080, 80 à la fin. Donc, 98 pour le Cameroun. 698-367-221. Pour le Gabon, 074-18-00-80. Et le nom au Gabon et au Cameroun, c'est Joséline. Tous les noms, c'est Joséline, Joséline. Si vous n'avez pas pu, c'est sur la page. Regardez juste sur la page. Guinée équatoriale, je pense que vous pouvez faire Airtel Money. Vous envoyez par Airtel Money au Cameroun. Non, Airtel Money au Gabon. Vous pouvez écrire, envoyer l'argent au Gabon. Je crois que Guinée équatoriale et Gabon sont reliés dans leur réseau. Bon, soit vous écrivez un message sur la page et puis on va vous dire comment envoyer. Donc vous pouvez aussi faire des Western Union. Pour tout ça, vous écrivez maintenant. Tassiana, tu n'as pas noté. Hein? Sans ça, vous venez encore pour déranger. Bon, je vais continuer mes bénédictions. Je me suis arrêté pour dire pour ceux qui viennent d'arriver. Je vais vous dire les prières que vous allez dire sur cet argent-là quand vous allez libérer. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui vont être libérées là. Beaucoup d'entre vous, vous allez sortir des chaînes, des chaînes, des chaînes. Donc, si vous êtes au 698-367-367-221, ça c'est pour le Cameroun. Là, le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. Ça c'est la Côte d'Ivoire, 225. C'est compliqué, chercher les numéros sur la page. Allez vous cliquer, vous allez regarder, c'est sur la page. Plus 225-05-01-49-05-95.
Si tu es en Allemagne, pourquoi tu ne fais pas PayPal? C'est plus facile. TapTapSend, avoir par TapTapSend. TapTapSend, tu prends un des numéros là, tu mets le nom, tout ça, Joseline. Écris Joseline Laure, tu vas envoyer à ce numéro. Donc, Côte d'Ivoire, plus 225 05 01 49 05 95. Ok, super. Je peux maintenant lancer. Vous êtes en train de faire cette offrande pour recevoir votre double portion dans cette année. Pour activer votre pouvoir. Pour activer votre célébrité. Oh, Chandra, je sens tellement ça. Oh my God. Vous savez, on montre aussi qu'il y a beaucoup de personnes que vous allez être libérées. C'est comme si on vous avait aliéné. C'est comme si on avait bloqué ton esprit pour que tu ne comprennes pas. Donc quand tu tombais sur le genre de vidéos aussi avant, c'est comme si tu étais bête. Et tu comme si tu rejetais tout ça. C'est comme si tu étais aliéné en fait. Oui. Donc ça que le Seigneur montre que tu es en train de sortir de l'aliénation mentale dans laquelle tu étais. Pour certains d'entre vous, vous allez croire en vous. Oh, rababa chikarabasante. Pour d'autres, surtout les choisis, parce que si tu es au Congo, tu écris sur un des numéros et puis on va te donner les coordonnées pour faire le Western Union. Pour certains d'entre vous, en tant que choisi, ton pouvoir va commencer à... Je vois des gens qui sont en train de se lever, en fait. Je vois des gens... C'est un peu comme si tu étais accroupi depuis. Et là, ton corps est en train de se lever. Tes ailes sont en train de se déployer. Certains d'entre vous, votre corps spirituel va s'ouvrir. Je vois carrément des gens qui ressemblent à des anges. Vous avez une sorte de corps angélique qui est en train de s'ouvrir. Ça va se passer aussi. Il y a beaucoup de personnes, votre pouvoir, on va vous montrer l'élément avec lequel vous travaillez. Donc, il y en a, vous allez découvrir que c'est l'eau qui est votre élément. Certains, vous allez vous rendre compte que c'est la terre qui est votre élément. Parce que quand tu fais une libation, tu prends quelque chose, tu verses sur la terre, tu parles, on te répond vite. D'autres, c'est l'eau. Vraiment, tes lavages, là, tu fais des lavages, tu parles. C'est comme si tu accélérais seulement les choses. Donc, pour certains, c'est ça. Il y aura l'activation de vos pouvoirs. Pour d'autres aussi, vous allez commencer votre ministère. Il y en a parmi vous, vous avez commencé à évangéliser, je ne sais pas comment on peut dire. Vous avez commencé à lire même les cartes aux gens. Vous avez commencé à lire le tarot aux gens. Mais ce n'est pas... C'est un peu comme ça de simplifier. Donc quelqu'un ne peut pas venir te payer pour tes dons. Tu sais très bien lire les paumes de main. Tu sais très bien interpréter les rêves. Mais c'est comme si tu te retiens. Oui, c'est comme si tu te retiens en fait. Même pas que tu te retiens. Il y a quelque chose qui fait que quand tu parles, les gens te regardent, mais on te prend pour sérieux. Voilà. On te prend pour sérieux. Pour d'autres, c'est comme si tu vas recevoir des galons. Les galons, en fait, c'est comme si dans le spirituel, on te donne, en anglais, on dit ranking. Like, you know, you are promoted spiritually. Tu reçois une promotion spirituelle. Parfois, je me rappelle quand j'étais encore à l'église. Oh Seigneur, je veux imposer les mains aux gens et guérissent. Oh Seigneur, je croyais qu'il y avait quelque chose de physique que je devais faire. Je n'avais pas compris que c'est un grade, un galon spirituel. Et certains d'entre vous, vous allez faire, ils appellent ça un sacrifice. L'offrande que tu vas faire en début d'année, si tu dois te rappeler de ça même dans 10 ans. Moi, j'ai une offrande en particulier que j'avais fait en 2014, janvier 2014. Je crois que c'est le 14 janvier. J'avais donné 300 pounds. Et à l'époque, je touchais le mois peut-être 500 pounds. J'avais porté plus de la moitié de mon salaire. Je suis parti donner à l'église. Je me rappelle les prières que j'avais faites sur ça. Seigneur, malédiction générationnelle. Seigneur, élève-moi au-dessus des autres de ma famille. Seigneur, je serai Abraham de ma famille. Seigneur, toutes ces choses-là. Donc, je viens vous parler de l'onction d'Abraham qui est en train d'être libérée sur vous. Et je vous ai donné la portion de Bible que vous devez. Je vous ai aussi appris déjà, ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai appris que chaque fois que tu libères quelque chose pour donner, prie dessus. Et dessus quoi? Quand tu te déposes dans un ministère, quand tu te déposes à quelqu'un qui est un,
Parce que tu te connectes à la puissance qui est dans cette personne. Tu te connectes à l'onction qui est dans cette personne. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Certains d'entre vous, dans les rêves, beaucoup de personnes vont vous voir en train de guérir les gens. Beaucoup de personnes vont aussi voir comment tu ressuscites des morts. Parfois, tu vas te voir dans ce genre de trucs. Vous allez aussi... beaucoup de personnes vont venir vous dire, j'ai rêvé de toi. Donc ça aussi, beaucoup de personnes vont venir vous dire... Observez dans les deux semaines qui arrivent, beaucoup de personnes vont venir vers vous et vous dire, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé de toi. Ça, c'est comme ça que tu connais que tu es en train de upgrade spirituellement. Et il y a des personnes que vous aurez aussi là. Vous allez avoir la capacité de faire le sleepwalking. Donc, dreamwalking. C'est-à-dire, tu quittes de ton rêve, tu pars dans le rêve de quelqu'un. Ça, c'est une dimension que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a encore les petits ici là. Mais je sais que les grands comprennent. Généralement, mes choses, je ne parle pas pour les petits. Donc, tu viens sur ma page, tu es encore déjà allé. Pardon, quitte. Je ne parle pas pour les petits. Donc, tu vas te rendre compte que quelqu'un va dire, ah, je t'ai vu dans mon rêve, tu es venu, tu m'as soulevé, je tombais déjà, tu es venu, tu m'as donné l'argent. Voilà. Tu es en train de commencer à... Tu arrives dans un moment où tu es en train d'atteindre la maturité. On lit à partir de Genèse. Justine, tu viens d'arriver. Si tu viens d'arriver, dis d'abord, parce qu'il ne veut pas moi t'insulter pour rien. Il n'insulte même pas d'abord, je vous blâme seulement. J'ai lu un passage ici, là, j'ai bien donné le passage que je suis en train de lire. Donc, on dit à partir de Genèse, ça veut dire que tu allais commencer sur Genèse 1. Voilà. Donc, je vous ai donné les manifestations. Maintenant, je bénis vos offrandes. Ceux qui vont écouter ceci plus tard, et vous allez faire vos offrandes. Je bénis toutes les paroles que vous allez donner ici. Je m'accorde avec ces paroles. Je m'accorde avec ce que vous allez demander dans votre intimité. Je ne connais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Tout ce que Dieu va vous souffler dans le cœur pour demander, n'hésitez pas. Demander. Fanny, j'ai dit que je suis passé pour parler des problèmes des gens. Donc, si tu viens parler que tu as la paresse, tu as le ceci, c'est pour toi là-bas. Tu as compris, ma chérie? Chacun ici qui me suit connaît que si tu as un problème spirituel, tu fais ton travail. Tous tes petits problèmes, c'est quand tu es en train de faire une offrande, une dîme, tu es en train de faire ton lavage. C'est là que tu parles des problèmes. Que je dis avec la paresse. Paresse, tu sors de mon corps. Donc, tes problèmes, c'est pas pour les raconter aux gens. Tu deals avec tes problèmes, tu deals avec tes démons, tu coupes leur tête. Donc arrêtez vos affaires là pour chercher la pitié des gens. Tu vas aller raconter à quelqu'un, va dire oh, oh, ouais, jamais. Ok? Je vous bénis. Je m'apprête à faire le travail, la deuxième partie du travail. Ok? Chacun qui a, pour qui ce message est, a reçu son message. Et tu sais exactement ce que je suis en train de te donner. Je fais juste ma part. Maintenant, toi aussi, tu fais ta part. Ok? Soyez bénis. Je viens comme ça sceller toute prière que vous allez dire dans le futur en écoutant cette vidéo. Je viens m'accorder avec vous. Je viens libérer ce qui vous appartient au nom de Jésus. Donc, je vois déjà une personne qui a déjà libéré son offrande ici. Là. Je bénis cette offrande et je m'accorde avec toi. Madame A. Ton nom commence par A. Donc, j'ai vu ton offrande. Je m'accorde avec toi. J'enlève tout voile qu'il y a sur toi. Je vais même d'ailleurs faire ton travail maintenant. J'enlève le voile. Il y a un voile que tu as toujours sur toi. J'enlève les écailles qui sont sur tes yeux. Je commande que je bois le renard, monsieur Hervé. Je bois le renard. Je ne bois pas le Dom Pérignon. J'ai le Dom Pérignon à la maison. Je bois le renard. Donc, j'enlève toute coquille qu'il y a sur tes yeux, toute écaille. Et je nettoie. Je commande la pureté sur tes yeux spirituels et physiques. Au nom de Jésus, je déclare sur toi la restauration de ce qui t'a été volé depuis des années. Tout ce qui t'a été volé dans ton pays d'origine et là où tu es actuellement. Toute relation dans laquelle tu as été, toute famille ou toute belle famille qui t'a sucé ton énergie. Je viens comme ça te libérer, je te déchaîne. Ton chapeau que tu as là, il faut encore porter ça. Tu as un chapeau, tu te rappelles, tu connais le chapeau là. En tout cas, la personne se reconnaît, elle ne commente jamais, mais tu te connais, je viens de voir ton offrande. Porte ton chapeau encore. Je crois qu'il y a des coris sur ton chapeau. Je crois qu'avant de t'envoyer ça, on avait mis les coris dessus. Voilà, il faut porter ça. Tu dis que tu reçois la libération de tes idées. Je déclare sur toi la promotion que tu cherches depuis longtemps au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, je déclare que tu te rappelles des offrandes, tu te rappelles des œuvres et des actes de ta fille
au nom de Jésus. Papa Yahweh, je déclare, comme elle est prompte à obéir, la voix que tu lui donnes, ce par quoi tu lui parles, Seigneur, je déclare, Papa Yahweh, que ce qu'elle a entendu va se concrétiser. Papa Yahweh, quand elle entend, elle fait. Je déclare que tu dépêches les personnes qui ont ces bénédictions. Tu as dit dans Genèse chapitre 12, versets 1, 2 et 3, « Je bénirai ceux qui te bénissent. » Père, que chaque personne qui a sa bénédiction la lui libère à l'instant. Je viens aussi de voir une deuxième personne que je ne nommerai pas, bien sûr. Ton nom de famille commence par K. Je viens de voir ton offrande. Je bénis cette offrande au nom de Jésus. Je m'accorde avec toi. Pendant que tu as libéré cette offrande, je déclare que l'onction te touche maintenant. J'enlève les chaînes qui y a sur tes pieds. Toute immobilisation géographique qu'on t'a donnée depuis des années, on t'empêche de voyager, on t'empêche de te déplacer. Chaque fois que tu fais tes programmes de voyage, je ne te connais pas particulièrement, mais j'ai cette impression-là, que tu as une immobilisation. Fais-moi un message sur WhatsApp pour me dire ça. Je te libère au nom puissant de Jésus. Donc, je vois une autre personne aussi qui vient d'envoyer son offrande. Ton nom commence par N. N. Je connais mes Decepticons. Je ne vais pas donner vos noms complets. Je bénis ton offrande. Je déclare que tu reçois la prospérité. J'enlève tout voile de laideur qu'on a mis sur toi. J'enlève tout voile de vieillesse, toute vieille mère qui à chaque fois vient sur toi pour t'empêcher de bouger comme tu veux, pour t'empêcher d'opérer dans tes business comme tu veux. Je te libère à l'instant. Tout ce qui suce dans tes os, qui suce ton énergie, je sens une sorte de momification spirituelle sur toi. Je t'en libère au nom puissant de Jésus. Je déclare sur toi la force, la pureté au nom de Jésus. Amen. Donc, je n'ai pas le téléphone sur moi pour recevoir, pour aller Orange Money. Mais je bénis vos envois au nom de Jésus. Evra, vous ne comprenez pas comment la fesse fonctionne. Vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Je suis en train de faire une prière. Écoutez, hein, la Bible dit que c'est la prière de chacun qui le délivre. Ta prière, toi le juste. Si Dieu a ta bénédiction, moi je ne peux pas m'interposer entre ta bénédiction et Dieu. Ou bien toi et ta bénédiction, quelque chose comme ça là. Donc, celle qui est en Allemagne, je viens de voir ton offrande que tu as apportée. Je dis seulement que tu es en Allemagne, je ne veux pas dire ton nom. Je viens te bénir. Je viens ouvrir. Je sais que tu as beaucoup de projets pour cette année. Je crois qu'on a fait un sacrifice pour toi l'autre jour. Et tu as dit que la nuit, là, tu es arrivé, que tu as vu une présidente de la République, la première dame de notre pays qui t'a reçue. J'ouvre ta célébrité. Toute personne qui était comme en chemin entre toi et le fait qu'on te connaisse, qu'on parle de toi. J'enlève cette personne au nom de Jésus. Toute parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel envers toi et qui a été stoppée en route, je commande à l'ange Michael de se dépêcher pour prendre cette parole et de l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Donc, il y a Franck, je viens de voir ton Franck, je viens de voir ton truc. Je ne dirai pas tout ton nom. Je bénis ton offrande que tu viens d'envoyer au nom de Jésus. Je bénis ton offrande au nom de Jésus. Sylvie, je bénis ton offrande. Je déclare que tes activités, je déclare pour Sylvie en particulier, je vois un peu comme tu es en train de faire des connexions
dans le... Je vois un peu comme si on parle de toi à travers le monde. Je vois un peu comme tu deviens comme un pôle de diffusion. C'est ce que je ressens spirituellement. À travers le monde. Par cette offrande que tu viens de faire, je te connecte aux personnes qui t'ont vu dans le passé, qui ont voulu collaborer avec toi, mais qui t'ont oublié. J'ai l'impression que tu as des personnes qui voulaient communiquer avec toi, qui voulaient faire des choses avec toi. Ils t'ont vu. Ils ont dit, waouh, je veux travailler avec la femme si. Ils sont partis. Il y a quelque chose qui les a découragés. Mais le Seigneur me montre qu'il est en train de rétablir ses connexions. Donc, quand je donne les messages de ces personnes, si toi-même tu regardes et ça parle pour toi, attrape ta bénédiction. Donc, je déclare la restauration de tes entrailles. F. Je déclare ton mariage. Et j'active tes pouvoirs et ta célébrité. Au nom de Jésus. Ça, c'est pour F. Pour P. Vous allez vous reconnaître. P. Je ne dirai pas moi vos noms. Quand ils font, ils m'envoient les messages sur truc là. Je n'ai que le 693 avec moi. Je n'ai pas le 680. Donc si vous avez le message du 680, dites-leur de me transférer le message. Écrivez-vous, dites, mon secrétaire va me transférer ça à l'instant. Et je pourrais vous mettre votre prénom sur ça. Donc pour P, je déclare que pour toi, tu as, je me rappelle en 2000, tu me disais qu'en 2022, tu as commencé à voir les choses. Genre, tu ne savais même pas que c'était possible que tu aies ce genre de bénédiction. Toute bénédiction qui t'a été volée à l'enfance, c'est ce que je vois. Je crois qu'on t'a gâté quand tu étais petite. Tout ce qui t'a été, ouf, toi particulièrement, paix. Je crois qu'on t'a gâté quand tu étais petite. Oui. Je déclare sur toi la restauration de tes pouvoirs, la restauration de ton argent. Je te connecte même au ministre. Je dois te connecter au ministre, au président. Je déclare que tu es quelqu'un que tu, dans ton boulot, tu connectes. Tu es comme un agent de communication, quelque chose comme ça. Je restaure tes pouvoirs qui ont été volés quand tu étais petite. Toute main noire qu'on a mise sur toi, j'enlève. Tout voile noir qu'on a mis sur toi, par cette offrande que tu viens de faire, j'enlève au nom de Jésus. Donc je t'ai fait un voice carrément parce que je ne pas oublier. Si tu vas recevoir ça dans ton inbox maintenant. Je déclare sur toi celle de l'Allemagne que tu vas donner à beaucoup de nations. Je déclare que tes projets vont, tu vas trouver les gens qui vont financer tes projets pour cette année au nom de Jésus. Je déclare que tu vas trouver les personnes qui vont financer tes projets au nom de Jésus. Reçois les financements de tes projets. Je déclare que tu seras élevé au-dessus de ce que tu avais espéré. Tout blocage que tu as reçu depuis que tu es arrivé en Europe, que ce soit blocage familial, que ce soit blocage géographique, j'enlève ces blocages sur toi au nom puissant de Jésus. Amen. Je viens bénir ton offrande au nom de Jésus. Parce que quand vous ne mettez pas vos prénoms, c'est assez difficile pour moi de vous reconnaître. Je bénis ton offrande. Je déclare la multiplication de tes finances. Je déclare, comme tu te connectes maintenant, je fortifie tes os. Je parle à ta moelle épinière. Je restaure tes idées. Je crois que tu as beaucoup d'attaques mentales. Il faut que tu prennes l'huile de blindage. Je crois que tu as beaucoup de batailles mentales. J'enlève le doute de ton esprit parce que quand tu commences un truc, c'est comme si on vient de te décourager. Ok. Bon, ceux qui reçoivent, envoient les messages maintenant, je vous fais les voix quand je peux. Ok. Bon, les Gabonais, je vois que vous êtes en train de faire aussi vos offrandes. Je viens bénir votre attention. Le Seigneur me montre pour toi, je vais te faire un voice en particulier. Le Seigneur me montre que tu es quelqu'un que tu écoutes. Ton nom commence par Claude, tu te reconnais. Je viens aiguiser ton oreille spirituelle. Le Seigneur me dit, te dit que c'est ton attention à ce qu'il te dit qui va. Tu vas écouter, tu vas faire, ça va te donner l'argent. Tu vas te retrouver dans une avalanche d'argent qui va tomber sur toi. Parce que tu vas écouter, tu écoutes. À 5 heures, 5h15, tu fais. Tu écoutes à 6 heures, 6h10, tu fais. Je déclare toute immobilisation, tout sable mouvant, ou bien encore, c'est comme si on t'avait mis les pieds dans le ciment. Toute personne qui t'a cimenté les pieds sur place, qui t'a immobilisé au Gabon, je te libère, je casse maintenant, j'ordonne aux anges de l'Éternel de casser cette immobilisation, ce ciment sur tes pieds. Je le brise maintenant, je te libère, que tu voyages.
Et quand tu voyages, ce n'est pas seulement pour aller à un seul endroit. Ce n'est pas seulement pour la récréation, mais c'est pour faire les connexions. C'est pour faire multiplier ton argent. Au nom de Jésus, je multiplie ton argent. Je déclare que tu reçois minimum 100 millions de francs CFA pour cette année 2023. Au nom de Jésus. Je déclare sur toi la restauration. Je déclare que par cette obéissance que tu viens de faire, le Seigneur lui-même descend de son trône pour te libérer, pour te fortifier. Je déclare que tu ne manqueras pas. Je déclare que tu ne te fatigueras pas d'obéir à la voix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, je suis en train de voir ce qui arrive. La Côte d'Ivoire. Quoi? Ton nom c'est quoi? Je ne vais pas dire tout ton nom. Je suis en train de faire le voyage dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Je bénis cette offrande que tu viens de libérer. J'enlève la paresse familiale. Toute malédiction venant de ta mère qui t'a été passée. Je vois beaucoup de paresse, beaucoup de... Tu vois un projet que tu veux faire, après tu es alourdi. Je t'enlève de tout sable mouvant, de tout ralentissement qui fait que plus tu fais des mouvements, plus tu es ralenti. Je t'en libère au nom de Jésus. Je déclare sur toi l'accélération, l'accélération. Dans les prières que tu vas faire dans les prochains jours, demande l'accélération divine. Je déclare que chaque idée que tu vas recevoir, tu vas agir sur cette idée à l'instant au nom puissant de Jésus. Je déclare que ton environnement qui t'affectait négativement, tu en sors, tu déménages cette année au nom puissant de Jésus. Tout bailleur qui te bloquait quelque part, tout bailleur ou encore tout bailleur, voilà, je sens beaucoup trop, c'est comme si tu es bloqué dans une maison. Je te libère de là au nom de Jésus. Amen. Bon, et une autre qui vient de faire son offrande. Je bénis ton offrande. Je déclare l'augmentation financière sur toi. Je viens essuyer tes larmes et je déclare que tu ne souffriras plus. Je déclare que je t'enlève à la queue de ta famille. Je te place devant au nom puissant de Jésus. Je déclare que tes yeux, c'est comme si tu voyais trop, tu vois les sommes. Si on te dit 100 000 peut-être, ça paraît beaucoup pour toi pour accumuler 100 000. J'enlève de ton esprit la pauvreté. Je fais que les montants qui te paraissaient énormes avant deviennent maintenant rien du tout. Au nom de Jésus, amen. Toute personne dans ton environnement qui te bloque, c'est comme si tu as quelqu'un à côté de toi que tu veux quitter la personne, mais ça te bloque beaucoup. Je te libère de cette association au nom de Jésus, amen. Mongue, je ne vais pas dire tout ton nom. Je bénis ton offrande et je déclare sur toi la restauration de ta beauté. Je déclare la restauration de ton argent. On ne va pas seulement dire que tu ne seras pas seulement belle, mais tu seras aussi belle, intelligente et riche. Je viens sur toi déclarer la restauration. Je ne sais pas pourquoi, mais ton visage. Je nettoie ton visage. Les boutons qu'on envoie sur vous là, les boutons, les voiles, les masques là, j'enlève au nom de Jésus. Je déclare sur toi la faveur. Quand on te voit, on veut te donner. Je déclare que tu t'ouvres pour recevoir. Tu t'ouvres pour recevoir au nom de Jésus. Je bénis tes affaires, Monsieur Tat, je ne dirai pas tout ton nom. Je déclare que ton obéissance, comme tu viens de libérer maintenant, je viens bénir tes affaires. Je déclare que tu es assis. Toute personne qui est venue te détrôner pour prendre ta place dans les affaires. C'est comme si tu as collaboré avec des gens, tu as fait des transactions avec eux et ces personnes étaient compliquées spirituellement. Je vois ça, c'est un peu comme si ces personnes t'ont un peu ralenti, t'ont un peu affaibli. Et je viens remettre ta force, je remets ta puissance. Ta puissance que tu avais autrefois, comme Job, je te la double maintenant au nom puissant de Jésus. Tout contact que tu as perdu, parce que quelqu'un est passé derrière toi, il a pris tes contacts. Tout contact que tu as perdu, je te les restaure au nom de Jésus. Amen. La dame de la Suisse, tu te connais, je suis en train de te faire un voice. Je viens bénir tes enfants, je bénis ta progéniture. Je déclare que le Seigneur se rappelle, comme il s'est rappelé de l'offrande de Corneille,
Que le Seigneur se rappelle de tes offrandes, tout ce que tu as déjà eu à faire, toutes les personnes que tu as déjà conseillées, aidées financièrement. Je déclare que tu ne te fatigueras pas de faire du bien. Je déclare que les générations à venir t'appelleront béni au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aucun de tes enfants ne te donnera des larmes. Je déclare qu'aucun de tes enfants ne se détournera du droit chemin. Je déclare que toi-même, ta puissance est renouvelée au nom puissant de Jésus. Que les efforts que tu mettais l'année passée pour obtenir 100 000 euros, que cette année tu les mets et tu obtiens 1 million d'euros au nom de Jésus. Je déclare que cette année, c'est l'année de concrétisation des projets que tu as toujours formés avec les hommes. Ils sont venus, ils ont pris ton argent, ils sont partis. Ils sont venus, ils ont chassé ton énergie, ils sont partis au nom de Jésus. Je déclare que tous les immeubles que tu as aidé les gens à construire, cette année, c'est ton propre immeuble que tu vas monter au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon, j'essaie de voir les noms. Quand vous écrivez sur le numéro, ce qui est le mot MTN, là, vous leur dites, j'ai besoin de vos noms. Comme ça, je vais faire... je ferai le voir si vous vous envoyez. Tout blocage, tout ce qui est en train de bloquer votre envoi maintenant. Tout ce qui est en train de bloquer votre envoi. Comme tu veux envoyer ton offrande, ça ne passe pas. Tout ce qui est en train de vouloir bloquer maintenant, je déclare. Ah. Justement, cette personne me dit qu'elle avait justement les problèmes de voyage. Ok, ça veut dire que c'est ce que j'ai bien vu. Donc, je te libère. Je te libère de toute immobilisation géographique. De toute personne qui détient un papier dont tu as besoin. Je déclare que cette personne te le libère. Je déclare que les finances dont tu as besoin pour finaliser ton titre de séjour, tu les reçois au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare sur ton offrande que tu viens de faire que tes produits vont être connus à l'international. Je viens même augmenter. Actuellement, tu fonctionnes dans un certain chiffre d'affaires. Je multiplie ce chiffre d'affaires par 10 au nom puissant de Jésus. Je déclare que dans maximum 3 mois, tu vas tourner. Ce chiffre d'affaires sera multiplié par 10 au nom puissant de Jésus. J'ouvre tes yeux. Je déclare que les efforts que tu fais pour servir tes clients, le Seigneur va les voir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je multiplie ta force financière au nom de Jésus. J'enlève tout. C'est comme si tu as un bagage qui vient de ta mère. Est-ce que tu as déjà fait le kit fondation? Tu as une sorte de malédiction qui vient de ta mère. Si on voit ce que je suis en train de faire à quelqu'un là. J'enlève toute malédiction venant de ta mère. Tout ralentissement venant de ta mère. Qui est en train de te freiner. Qui fait que tu travailles, après tu ne vois pas l'argent. Au nom puissant de Jésus. Toute personne qui avait pour intention de te donner de l'argent, d'acheter un de tes produits ou bien de te faire de cadeaux. Je déclare que cet argent t'est libéré. Avant demain, au nom de Jésus. Amen. Les gens ont les problèmes ici. Ouais. C'est vraiment parce que vous ne pouvez pas comprendre. Ok. Cédric. Ok. Je viens bénir cette offrande que tu veux de faire. J'enlève tout blocage que tu avais. Je t'enlève. C'est comme si on t'a enraciné. C'est comme si on t'a. C'est comme si tu veux avancer à une vitesse, mais on te bloque. Je te déracine de tout terrain maléfique dans lequel on t'a planté. Je déclare que toute personne ou encore tout mauvais esprit, tout talisman qu'on a déposé dans ton corps qui suce ton énergie, je le détruis par cette offrande que tu viens de faire au nom puissant de Jésus. Je déclare sur toi la double portion dans cette année. Je te restaure comme tu étais autrefois. Je te construis comme tu étais autrefois. Oui, vous pouvez aussi faire sur ce mail. Reine Christelle, 655-31-0750. Ça, c'est aussi un autre des numéros. 655-31-0750. Pierrette, je déclare que tu reçois ton matricule. Sorel, je bénis cette offrande que tu viens de faire. Je libère tes pouvoirs. J'enlève sur toi, tu te caches beaucoup. J'enlève tout esprit de timidité. Je te vois dans un coin, comme si on t'a isolé dans un coin pour te,
pour te faire taire, pour te mettre à terre. Je t'enlève et je mets la lumière sur toi. Matthieu chapitre 4, verset 16. La Bible dit que sur ceux qui étaient assis à l'ombre de la vallée de la mort, une lumière s'est levée. Donc je vais te lire cela. Ce sera le passage que toi tu dois utiliser. Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans la vallée des ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Je déclare que la lumière se lève sur toi au nom de Jésus. Je déclare que la lumière se lève sur toi au nom de Jésus. Je te sors de toute obscurité. Par cette offrande, je viens bénir tes projets. J'enlève toute chenille ou asticot dans ta tête. Je sens qu'il y a des trucs dans ta tête, Tout ce qui vole ta beauté, tout ce qui dérange tes cheveux, qui fait le cul chevelu dérange. Je te libère maintenant. Dans ton kit que tu as reçu, il y a l'huile de blindage. Il faut faire un peu sur ton cuir chevelu. Je viens te bénir, je viens ouvrir tes portes. Que tout ce que tu as demandé pendant que tu fais cette offrande te soit donné. Au nom de Jésus, amen. Donc, je redonne le numéro 655-31-0750. Le prénom dessus, c'est Ulrich. Donc, voilà, parce que apparemment, tous les autres OM sont pleins. 655-31-0750. J'enlève tout blocage qu'il y a sur votre envoi que vous voulez faire. Au nom de Jésus. Tout ce qui est en train de vouloir bloquer vos finances à l'instant, je vous en libère. Je restaure votre faux finance. C'est aussi un truc, hein. Parfois tu veux faire ton offrande, ça ne passe pas. Recevez vos bénédictions, recevez vos bénédictions, recevez vos bénédictions. Ok. Quand vous envoyez vos offrandes au salaire, je me connais à votre énergie, parce qu'il y a une qui me dit que tout ce que vous avez dit, c'est la vérité. Oh. Je ne fais pas trop souvent ça dans mes directs. Mais quand Dieu me montre quelque chose, ça ne manque pas. Jamais. C. Ton nom commence par C. Je bénis cette offrande que tu viens de faire. Je déclare que tu es fortifié. Toute personne qui veut te chasser d'une position que tu as, une position d'autorité ou une position qu'on veut te donner, je te cimente, je te rétablis. Je te restaure ta position au nom de Jésus. Je déclare que toute personne qui complote par jalousie pour te détrôner, cette personne a honte. J'envoie, selon Deutéronome chapitre 28 au verset 7, je retourne ses flèches, ses propres flèches, à cette personne, par cette direction différente, au nom de Jésus. Je te fortifie, je parle à tes os, je parle à ta moelle épinière, je parle à ton corps, tout endroit de ton compte bancaire qui a été vidé, je déclare que ce compte se remplit à minuit aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Peu importe comment ils vont te dire qu'ils ont fait pour que l'argent revienne dans ton compte, peu importe le moyen par lequel ils vont te rembourser l'argent, j'appelle les fonds dans ton compte, les financements dont tu as besoin pour faire les projets que tu as commencé au pays, j'appelle ces financements au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu n'auras pas honte. Toute personne que tu as aidée qui a pris ton argent pour aller te faire du mal, je viens maintenant implorer le jugement divin sur cette personne. Tout talisman ou encore tout hôtel où ils sont partis, ils ont pris ta photo, pris ton argent pour pouvoir te gâter. Je déclare que leurs incantations retournent sur eux-mêmes. Je brûle maintenant leurs incantations. Je brûle maintenant les tables sur lesquelles ils ont déposé ta photo, les hôtels qu'ils ont construits par le feu du Saint-Esprit. Amen. Pierrette, je vous connais, que je n'ai pas encore, dès que je peux, j'envoie. Je ne suis pas en train de demander l'argent, je ne vous demande pas l'argent. Vous me connaissez avec l'arrogance sur l'argent. Je ne demande pas moi l'argent. Vous êtes en train de faire comme si j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. Please, oh. Excusez-moi. Philippe, je viens bénir ton offrande. Je restaure, c'est comme si j'étais très intelligent, tu devais être ingénieur en quelque chose. Je restaure ton boulot, je ne sais pas, c'est comme si tu vas avoir une bonne position.
ce que tu as étudié à l'école devait te donner beaucoup d'argent. Je restaure ton intelligence. Par cette offrande que tu viens de faire, je libère ton argent, tout argent que tu attends depuis longtemps qui est bloqué. Je le libère maintenant au nom de Jésus. Si vous envoyez, ils vont envoyer, puis je vais... Oh, les deux numéros orange sont saturés. Orange, en tout cas, j'ai prophétisé ça sur ma vie cette année. 655-31-07-50. J'avais dit que tous mes comptes seront saturés d'argent. Il faut que ça se sature encore plus. Vous allez vivre les impossibilités cette année. Je viens bénir, Sorel, je bénis ton offrande au nom puissant de Jésus. WA, je viens bénir cette offrande. Je te libère de toute... c'est un peu comme si on veut te rendre folle. Le doute, j'enlève le doute sur toi. J'enlève les confusions. Beaucoup de personnes parlent trop de toi et ça t'embrouille souvent. Je te chasse de tout endroit où on t'embrouille avec les paroles. Toute personne qui vient confondre pour mettre la confusion dans tes projets. Au nom puissant de Jésus, je te restaure. Je te restaure. Je déclare qu'on va plus te simplifier. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es la tête, tu ne seras plus jamais la queue. Amen. Le compte orange est bloqué en début d'année comme ça. Là, le premier du mois, les gens, ils croient que quoi? Je viens bénir cette offrande par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que toute application ou toute procédure qui porte ton nom qui est quelque part ne sera plus ralentie. Je porte ton papier ou ton dossier qui est au fond de la file d'attente. Je mets en première position au nom puissant de Jésus. Je déclare que tes anges se lèvent pour aller te défendre, pour aller te secourir au nom de Jésus. Les grands projets, c'est comme tu attends des grands financements. Cet argent, je libère. Si c'est 25 millions, je ne sais pas, c'est une somme en millions que tu attends. Je déclare que cet argent t'est libéré avant le mois de février au nom de Jésus. Amen. Je viens bénir ton offrande, Thérèse. Je restaure tes finances. Amen. Mes numéros pour faire les offrandes sont sur ma page. Donc, si vous donnez l'argent à une autre personne, ça vous regarde. Vous avez compris, non? Mes numéros sont sur ma page. Si vous envoyez l'argent ailleurs, c'est votre problème. Voilà. Cet argent-ci ne part pas dans mon compte. Donc, je ne peux pas te dire que je l'ai reçu. Parce que je vous connais très bien. Vous êtes des enfants très nosy. Très nosy. Je bénis ton offrande. Je te sors de tout trou. Tout papier que tu attends pour sortir du pays où tu te trouves. Toute personne qui a voulu te bloquer. Je déclare que même comme tu es encore là-bas, tu as la faveur financière. Je déclare que tu n'es pas dans la souffrance que les autres personnes ont dans ce pays au nom de Jésus. Je déclare que tes projets que tu avais initialement avant de quitter le pays se concrétisent. J'ouvre tes portes. Je déclare que d'ici mars, tu vas avancer. J'enlève l'immobilisation. Tu dois prier contre l'immobilisation géographique. On t'a bloqué dans le pays. Tu te trouves là. La famille maternelle, là, on t'a bloqué. Tu as mis ta main sur l'écran, tu as failli tomber. Ne vous dérangez pas. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Il est en train de vous délivrer. Je viens restaurer vos finances. Toute malédiction familiale qui vous attache. Ceux qui sont encore dans la maison familiale, je vous sors de ces maisons ce mois de janvier. Recevez les finances pour déménager au nom de Jésus. Tous ceux qui ont conçu la maison, vous n'arrivez pas à mettre le toit pour aménager. Recevez les sous pour pouvoir aménager ce mois de janvier au nom puissant de Jésus. Amen. Juste en passant, j'ai parfois des collaborateurs qui vont vous contacter. Si vous voulez faire des dons ou travailler avec mes collaborateurs, ça vous engage. Mais je le dis encore, je suis ici là, je donne le message qu'on m'a donné. Vous suivez bien. Donc, parce que je sais que vous aimez ça. Et vous n'allez jamais mettre la discorde entre moi et une personne avec laquelle je travaille. Parce que vous êtes très fort pour ça. Vous êtes très fort pour ça. Tu vas voir, je travaille avec quelqu'un. Je suis en train de faire un direct. Je dis, je parle. Tu prends le numéro de quelqu'un avec qui je travaillais. Tu envoies l'argent là-bas. Tu filmes, tu m'envoies. Attends. Vous, mauvais esprit, la pâté, fais ça ailleurs, pardon.
Quand vous écrivez au 680, 680, envoie-moi les numéros des gens qui envoient les offrandes là pour que je leur fasse des voices pour prier pour eux. Je viens bénir Tsag et je bénis ton offrande. Toute personne qui t'épie, toute caméra spirituelle qu'on a mis pour tes pieds, pour voir ce que tu fais, je viens les briser maintenant. Je déclare que toute souris ou tout chien ou tout animal qui te poursuit dans tes rêves à chaque fois, qui vole tes finances, tout serpent bois qui vient sucer tes finances, qui aspire tes finances à chaque fois, je commande qu'il les recrache maintenant. J'écrase la tête de tout serpent qui est derrière toi à chaque fois, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu marches sur le lionceau, tu foules le lionceau de tes pieds, et au nom puissant de Jésus. Amen. Vous avez le blocage. Oh yo, Seigneur. Écoutez, les blocages, c'est quelque chose que tu enlèves une couche, tu vois encore l'autre. Sur PayPal, quand tu fais le PayPal, tu écris un message. Tu écris un message sur le PayPal. On te donne l'opportunité de mettre un message quand tu fais le truc. Voilà une autre personne qui dit que quand elle a mis la main sur l'écran, ses mains ont brûlé. On l'a planté des pieds. Après, tu as les vertiges. Il y a beaucoup de choses dont vous avez été libérés. Beaucoup. Vous avez beaucoup. Vraiment. Quand je suis resté comme ça, je ne devais pas faire le direct. Je fais mes directs le matin. Je fais mes directs le matin, donc. Quand les lanchons arrivent pour quelque chose, je dois me lever pour agir. Je viens restaurer vos finances. Tout esprit d'immobilisation que vous aviez dans votre famille, que ce soit votre père, votre mère qui vous l'a passé, tout oncle qui est assis sur votre destinée, je parle à vos os maintenant et je commande que tout ce qu'ils ont mis dans, injecté dans votre corps, que vous en êtes libérés maintenant, au nom de Jésus. Amen. Je bénis aussi les offrandes que vous allez faire plus tard. Je vous restaure. Je restaure aussi votre famille. Toute personne qui veut tu veux voyager. Je vois des femmes d'entre vous. Vous voulez voyager avec vos enfants. Mais les finances sont tellement limitées. Toute personne qui vous a attaché là où vous vivez actuellement, pour vous empêcher de vous déplacer. Parce que la personne connaît que si tu sors de cet endroit, tu vas avancer. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Remettez encore la main sur l'écran. Déménagement, la sortie des coins, les villas, les coins sales où la nuit tu te lèves, tu vois un totem qui est en train de traverser ta chambre. Tu attends les souris dans ton plafond là. Mais remettez la main ici. Vous allez prendre de l'eau, vous allez faire le. Vous allez lire le psaume 35 sur l'eau là. Vous allez spéger à la maison avant de dormir ce soir. Recevez maintenant la force. J'active votre puissance. Toute personne qui est venue sucer votre sang la nuit, toute personne qui est venue sucer votre force, tout ce qu'on vous a injecté de mauvais dans la nuit, qui vous affaiblit, toute fatigue qui ne vient pas de Dieu, car le Seigneur n'affaiblit pas, il fortifie. Je viens vous en libérer. Je déclare maintenant que toute électrocution maléfique qu'il y a dans votre corps, tu fais un mauvais rêve, tu te réveilles, tu es fatigué. Je vous libère maintenant au nom puissant de Jésus. Et je vous restaure. Recevez maintenant les sous pour déménager. Recevez maintenant les sous pour déménager. Au nom de Jésus. Amen. Fulbert, je bénis ton offrande. Dorian, je bénis ton offrande. L'or, S, je bénis ton offrande. Au nom de Jésus. Jomo, je bénis ton offrande. Viviane, je bénis ton offrande.
Je déclare sur vous la restauration. Je déclare qu'avant de même cette nuit, vous allez recevoir votre libération. Tout trou dans lequel vous avez mis, chaque fois que vous n'avez pas sorti, tu rêves, tu te retrouves toujours chez vous, coincé dans une pièce. Je déclare que la porte de sortie vous est montrée. Je déclare que l'ange de l'Éternel se pointe et il vous montre la porte de sortie au nom puissant de Jésus. Tout animal maléfique qu'il y a dans votre maison, ce soir, quand vous allez verser cette eau, je leur commande de sortir. Tout monstre qui est en bas de votre lit, versez aussi l'eau là en bas de votre lit. En bas de votre lit, que c'est quand tu dors qui sort, tu te réveilles, tu as mal à l'estomac, tu as mal au ventre. Léchez-moi les poudres que vous avez dans vos kits là, les poudres de poison de nuit là. Il faut lécher ça demain, s'il vous plaît. Tu te réveilles le matin, tu lèches ça. Et le bain de pipi, demain c'est le 6. Donc on fait encore ça demain et après demain. Donc n'oubliez pas. Je viens ouvrir votre célébrité. Les bénédictions dont vous avez besoin, venant de votre père ou de votre mère, j'envoie ma main maintenant, je plonge, peu importe l'endroit où vos parents se trouvent, qu'ils soient morts, qu'ils soient vivants, je prends ces bénédictions et je vous les redonne au nom de Jésus. Tout parent qui a retenu vos bénédictions parce qu'il ne veut pas vous voir progresser, ça existe malheureusement. Tout oncle ou toute tante qui a manipulé votre parent pour vous faire du mal, je déclare maintenant que cette bénédiction qui était la vôtre au départ vous est restaurée. Amen. Orphée, tu me connais même. Orphée, tu me connais. Je vois les messages comme pour toi là, je bloque. Oh, ah, je bloque moi. Le problème des gens qui pleurent le blocage, c'est que si on te dit de faire même le transfert de 300 francs CFA, tu vas refuser. Et te dit ne fais pas le transfert, sors, prends 500, achète des biscuits, tu donnes aux enfants de ton quartier. Tu vas dire que tu n'as pas l'argent. En tout cas, je viens bénir vos offrandes, je bénis vos idées. Je déclare aussi tout découragement que vous avez eu. Parfois, tu restes comme ça là, tu sens comme si toute ton énergie part. Tu perds l'envie, donc tu perds le zèle. Je déclare qu'à partir de ce soir, ta joie revient seule. Tu restes, tu chantes seul. Au nom de Jésus. Je sens vraiment ça. Il y a beaucoup d'activités que vous voulez faire. Il y en a, vous voulez ouvrir les restaurants. Je bénis maintenant, remettez les mains sur l'écran. Ça, c'est maintenant pour bénir les business que vous voulez lancer cette année. Je sens qu'il y en a parmi vous, tu as prévu d'ouvrir le restaurant depuis. Ça traîne. C'est très attaqué. Il y a un autre numéro américain, 655-31-0750. On va remettre les mains sur l'écran. Je bénis tout travail de vos mains. Je déclare que ces mains, quand ça touche l'argent, cet argent se multiplie dans vos mains. Au nom de Jésus. Je déclare que vous n'allez pas prendre la décision de faire quelque chose avec vos mains, de dépenser pour acheter quelque chose et cette chose va être perdue. Je déclare que vous ne perdrez aucun téléphone. On ne va pas vous soutirer. On ne va pas vous estorquer de l'argent. On ne va pas vous escroquer. Je déclare que vos mains décideront toujours de faire les transferts qui seront bénéfiques pour vous. Vos mains décideront de donner l'argent qui sera bénéfique pour vous. Et tout argent que vous allez dépenser, je déclare qu'il vous revient au centuple. Je déclare que vous faites des investissements sages. Écrivez, je reçois la sagesse financière. Je déclare que vous ne dépensez plus. Je vois beaucoup de personnes, quand tu reçois l'argent, tu ne sais pas pourquoi, il y a une énergie qui vient sur toi, tu peux pas dépenser l'argent n'importe comment. Je t'enlève de tout trou financier qui fait que tu te plonges encore plus dans les dettes. Je viens annuler vos dettes. J'annule vos dettes. Pour certaines, d'ici la fin de ce mois, on va dire que ta dette est coupée en deux. Madame, au lieu de payer 10 000 euros, payez-nous seulement 4 800 euros. Et même 4 800 euros là, comme ça, là, tu tombes sur un business, ça te donne l'argent comme ça, tu rembourses. Je déclare que les trois premiers mois de cette année sont les mois de l'annulation des dettes au nom de Jésus. Amen. Tout business que vous avez commencé, vous avez acheté le matériel, c'est à la maison depuis, ça traîne. J'amène maintenant la personne qui va gérer ce business avec vous. J'amène la personne, peut-être tu travailles dans la journée et tu as besoin de quelqu'un qui va gérer. Recevez maintenant les employés qui vont bien gérer. Recevez les employés qui vont bien gérer au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez.
Je concevais les recettes que vous allez faire de vos mains qui vont porter à travers le monde. Au nom de Jésus. Les recettes de nourriture qui vont faire que les gens vont venir des quatre coins de la terre. Ils vont arriver au pays comme s'ils vont chercher seulement là où vous êtes pour manger votre nourriture. Au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui vous a oublié, toute personne qui vous a oublié, la personne a prévu de, oh, je devais te parler à telle heure, je devais te recevoir à telle heure, il t'a oublié. Je te rappelle maintenant dans la mémoire de cette personne. Je mets les opportunités pour que ça se passe. Tout ce qui te revient comme argent, peu importe là où c'est sur la terre. Et je déclare un autre phénomène. Notez bien ça, rappelez-vous. Ce que le Seigneur va montrer, c'est qu'il va vous montrer, vous serez prompté, vous allez être poussé à rembourser vos dettes. Parfois, tu restes comme ça là. Avant, tu avais 5000 dollars comme ça là. Tu devais d'abord, ok, je dois d'abord acheter mon ceci, je dois acheter mon cela. Tu reçois les 5000 dollars, Dieu te dit, paye d'abord 3000 dollars de dettes. Tu payes les 3000 dollars là à 12 heures. 19 heures, tu as 2500 dollars qui reviennent à ton compte. Voilà le miracle financier qui va se passer dans votre vie. Et le lendemain, tu as déjà 4 000 dollars qui sont revenus totalement. Tu as payé 3 000 dollars aujourd'hui. Le lendemain, tu as 4 000 dollars qui est revenu dans ton compte. Ça, c'est une notion que je vous passe maintenant. Ça, c'est une notion que je vous passe. Je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai une mauvaise personne qui me contacte, si elle reste quelqu'un m'embête, je dis que je rembourse la personne. Je fais l'espérance, c'est chaque jour. Je suis avec un de mes collaborateurs. Une femme, elle envoie son agent de Decepticon là. Vous connaissez, vous connaissez vous-même les Decepticons là. Lucie, je bénis cette offrande que tu viens de faire sur PayPal. Je bénis cela, je connecte comme tu viens de cliquer maintenant. Je déclare que toutes tes dettes qui sont dans les bureaux là-bas, que tu es en train de te tourbiller, ça te tourbillonne dans l'esprit. J'appelle sur toi l'onction de paix. Que partout où ton nom est appelé, on te donne la faveur. Ils vont te dire, madame, on ne sait pas pourquoi, mais on te donne ça. Je déclare que c'est ce mot que tu vas entendre cette année. Au nom de Jésus. Amen. Je vous assure que je reste, un jour on reste comme ça. Là. Il y avait 50 000 que je devais remettre à une femme. Je lui dis, renvoie ces 50 000. Et je lui dis, regarde, maximum dans une heure, 50 000 va revenir dans mon compte. On reste, on en réunion. On fait ta-ta-ta-ta-ta. On renvoie les 50 000 à la femme. On fait ta-ta-ta-ta-ta. 30 minutes plus tard, 50 000 arrive. Je regarde. La même somme. Parfois, c'est 1000 francs en plus. Ce n'est jamais moins. C'est jamais 1000 francs en plus, 2000, 3000. Je prends le téléphone, lui montre que tu regardes, tu vois. Cette année, je vous connecte au bon agent. Écoutez-moi bien. Je vous connecte au bon agent. Ça, c'était un problème que j'ai. Ça, c'était. Parfois, je regarde et je dis, ah Seigneur, tu remets tout l'argent, c'est fait comment? Écoutez-moi bien. Tu vas rester où ça, tu vas regarder ton compte, tu vas avoir 100 000 euros. Ce sera ton argent. Oh Seigneur, ouh! Oh Seigneur Jésus, oh my God. Vous allez remettre les traites, la traite de votre maison, là, vous allez rembourser ça cette année. La traite de cette maison que tu as pris l'année passée seulement, là, tu vas payer ça. Tu vas rester comme ça, tu vas regarder 75 000 euros que j'ai payé en un an. Je ne suis pas en train de blaguer avec vous. Oh my God, ça c'est vraiment une parole pour quelqu'un là-bas. Quand l'énergie sort de mon corps, je sais. Quand je donne l'énergie à quelqu'un, je connais que il y a quelqu'un qui vient de recevoir quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient de recevoir quelque chose. Ouh. Aussitôt que vous payez vos dîmes, je vous donne 24 heures. Testez. Testez. Tu prends ton compte. Tu t'assois. Je paye ma dîme. Au nom de Jésus, je paye ma dîme, Seigneur. Nanana, nanani, nananana. Tu cliques. Tac, tu payes la dîme. Écoutez bien, voilà l'onction que je te passe pour les 12 mois si que tu vas payer ta dîme. Dès que tu libères l'argent de la dîme comme ça, pap, chaque jour de ce mois-là, chaque jour tu vas recevoir l'argent. Et l'argent de la veille sera toujours plus petit que l'argent d'aujourd'hui. Donc l'argent d'aujourd'hui n'a pas le droit d'être plus petit que l'argent d'hier. Ça va aller dans l'ordre croissant.
Deuxième chose, dès que ton compte se vide, tu payes tes factures au début du mois. Je déclare que maximum le 5. Ce compte-là, c'est encore rempli. Et tu as déjà réglé toutes tes dettes du mois, s'il te plaît. Je déclare que les fins du mois seront très sucrées pour toi à partir d'aujourd'hui. Écoutez, moi-même, j'ai hâte d'être dans cette année moi-même parce que vraiment, quand je vois les choses qui vont arriver là, I'm just like... Voilà une personne que son argent était bloqué. Elle a voulu me faire le transfert. Elle est aux États-Unis. Elle a voulu me faire le transfert tout à l'heure. Le truc a fait decline. Elle n'a pas dormi. Elle se réveille. Elle vient et fait. Voilà ça. Regardez. Voilà le message qu'elle a fait le matin. Your payment was declined. Maintenant, voilà le paiement qu'elle vient de faire. Elle vient d'envoyer l'argent. Tout blocage qu'on a mis sur vous, qui fait qu'on veut t'envoyer l'argent, le compte est bloqué. La personne part à la banque, on lui dit que madame, parce que l'argent va venir dans ta main. Je débloque votre argent, tout argent que vous êtes en train d'attendre, tout argent qui est en suspens, on dit qu'on fait les vérifications. Je libère ces vérifications cette nuit. À minuit, l'argent passe dans votre compte, au nom de Jésus. Tout rappel d'argent qu'on devait te payer depuis. Écoutez, ça c'est au début d'année. Appelez votre agent. Tout rappel d'argent qu'on devait te faire depuis. Depuis. Tu attends, tu attends, tu attends. Tu viens de m'envoyer la photo de ton compte bancaire, que c'est 1 million de francs. Ouais, mais les femmes, c'est là, je sais pas ce que je vous ai fait. Oui, je m'accorde avec toi. Je sais que j'ai prophétisé quoi. Elle m'envoie le message que ma reine, c'est moi. Elle m'envoie la balance de son compte, 1 million. Je bénis ton argent, je bénis encore plus ton argent au nom de Jésus. Tout blocage qu'il y avait sur ton argent, écoutez, vous allez aimer les femmes de moi. Tu vois, janvier, c'est là. Hein? Tu vas rester comme ça là. 15 janvier, 25 janvier. L'argent ne fait qu'en maintenant ton compte. Hein? C'est une énergie que je suis en train de vous transmettre. C'est l'énergie que je vous transfère. Toute personne que tu attends son argent depuis. Cette nuit-ci, la personne va t'écrire dans la nuit à 3 heures parce qu'il n'arrive pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir. J'ai fait comment pour te virer ton argent? Donne-moi encore des détails bancaires. Filmez, faites seulement les captures d'écran, m'envoyez parce qu'il vous connaît. Tu as peur de me montrer qu'on t'a payé 100 000 euros parce que tu ne veux pas donner la dîme. Ne te dérange pas. Mon argent vient de toutes les façons. Je vois que j'attends ta dîme. Témoigne quand même que tu as entendu ça et ça t'a aidé. Vos fins de mois cette année seront très sucrées. En fait, tu ne connaîtras plus si c'est le début ou la fin du mois. Tu ne sauras plus. Attends un peu. On est le 40e. Attends. Mais on m'a payé mon salaire le 1er. Comment ça se fait que l'argent que j'ai dans mon compte le 28 est plus que ce que j'ai le 2? Jamais ne gâte pas mon énergie. Tu dis que tu reçois cette énergie positive. Je t'envoie l'argent. Je ne t'envoie pas l'énergie. I'm sending you money. Hein? Je t'envoie l'argent. C'est l'âme. On sait que vous avez transformé les paroles. Seigneur, je reçois l'énergie positive. Dis Seigneur, je reçois l'argent. Appelez le chien. Et ouais. C'est comme ça que vous amadouez les choses. Quand tu m'as payé, c'est là que tu as payé ton offrande avec quoi? Ce n'est pas l'argent que tu as donné. Bon, je suis sûr que toi, tu n'as même pas payé. Quand tu as donné l'offrande, tu as donné l'argent, non? Maintenant, il te dit de recevoir l'argent, comment dire que je reçois l'énergie positive. Ne masquez pas les choses. Quand le soir, là, quand tu vas faire ton lavage avant d'être couché, je reçois mon argent. Même des sources que je n'avais même pas su. Une fille m'envoie le message l'autre jour. C'est tellement le message que parfois, pour lire, c'est. Elle me dit, ah, tu sais, j'ai fait le bain l'autre jour, je suis pas allé, non. Dans la journée, quelqu'un me dit que je vais t'envoyer le cadeau de Noël. Il me dépose 50 000 dans le compte. Donc, pour elle, elle était choquée. Elle dit qu'à la fin, là, ce n'est pas la blague. Il y a l'argent que tu attends. Il y a l'argent que tu ne savais même pas qu'on voulait te donner. C'est l'autre là que j'appelle. Écoutez bien. J'appelle vos voitures qu'on voulait vous donner, que vous ne saviez même pas que la personne a acheté la voiture pour toi. J'appelle vos argent que les gens avaient prévu que si l'argent s'y entre, je porte 5 millions, je donne à telle personne. C'est ça que j'appelle sur vous aujourd'hui. Jesus. On vous a trop bloqué. On vous a trop conditionné.
Tu es là, tu ne sais pas que comme tu es là comme ça, quelqu'un a prévu que si ça marche, je porte même 15 000 euros, je donne à Eliane. C'est l'argent là que j'appelle Eliane. Parce que tu crois que, oh non, telle personne me doit 500 euros. Non, 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 non. Tu as 15 000 euros en suspens quelque part et tu ne sais même pas. Je bénis ton offrande. Je bénis tes enfants. Je déclare comme tu as libéré cette offrande. J'ouvre tes dons. Je déclare que tu seras connu cette année. Je déclare que tes dons spirituels qui sont dormants là vont s'ouvrir et les gens vont venir à toi. Comme dans Ésaïe chapitre 60. Je déclare que tu seras un sujet de joie de génération en génération. Je déclare que tu suceras le lait des nations. Ça, c'est ta parole, ma chérie. Reçois ta parole. Je déclare que tu vas sucer la mamelle des rois. Écoute bien. Les Macron, là, tu vas sucer leur mamelle. Vous savez ce que ça veut dire? Au sens figuré, vous savez ce que ça veut dire? Je déclare que ton rédempteur, c'est lui le puissant de Jacob. Je change maintenant les fondations de ta vie. Au lieu de l'airain, j'appelle l'or dans ta vie. Au lieu du fer, je fais venir l'argent dans ta vie. Au lieu du bois, je viens mettre de l'airain dans ta vie. Au lieu des pierres, je viens mettre du fer dans ta vie. Et je fais régner sur toi la paix. Je déclare que tu es en paix quand tu dors. Ton lit là, tu ne vas plus rester comme ça. Tu dis qu'il y a un homme qui te manque dans ton lit, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu dors et dans la nuit, tu reçois des messages. Il y en a parmi vous. Vous n'êtes pas censé dormir avec un homme. Je vous le dis, Roha. Parce que c'est dans la nuit là qu'on te recharge. C'est dans la nuit qu'on te recharge. Je fais de toi un monument pour notre génération. Je déclare qu'on n'entendra plus parler de violence dans ta vie. On ne parlera plus de ravages ni de ruines dans ton territoire. Je viens maintenant appeler tes murs salut. Je lis Ésaïe 60, verset 15. Je suis déjà au verset 19. Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour. La lune ne sera plus ta lumière pendant la nuit. Mais l'Éternel sera ta lumière pour toujours. Je déclare que ton soleil ne se couchera plus jamais. Au nom de Jésus. Je suis en train de bénir quelqu'un comme ça. Donc profitez pour vous ramasser vos bénédictions. Je déclare que les jours de ton deuil sont passés. Je viens te décorer. Je viens t'élever. Amen. Ma mamie, la fille cela a tiré les bénédictions de ma bouche. 2 minutes de bénédiction. Jesus. Christ, je viens bénir ton offrande. Je déclare sur toi que tout projet que tu as commencé là où tu es, toute personne que tu as rencontrée à cela des années, tu as formé de grands projets avec eux. Et quand ces personnes sont parties de ta vie, tu as eu l'impression que le projet est mort avec ces personnes. Je te les ramène à l'esprit au nom puissant de Jésus. Je déclare que ces projets vont toucher des générations en Afrique et en Europe au nom puissant de Jésus. Je déclare, je ne sais pas pourquoi, mais je reçois le nom de Richard Bona. Tu as cette onction sur toi. Je déclare que tu vas guérir les gens par ton œuvre. Que ce soit des écrits, que ce soit, je ne sais pas ce dans quoi tu feras. Je déclare que des personnes vont t'appeler béni. Je déclare que tu vas restaurer le sourire des gens. Permettre aux personnes d'avoir confiance en eux. Au nom de Jésus, je viens te répandre à l'est, à l'ouest, aux quatre coins de la terre. J'active la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Amen. Ça, c'est les offrandes de PayPal. Quand je reçois vos messages avec le prénom, ça me permet de vraiment me connecter pour... Ne mettez pas sur Facebook, je ne vais pas vous mentir. Le numéro sur lequel je communique, c'est le 604... J'ai ça devant moi ici. 693 50 22 66. Donc, ne partez pas sur Facebook. Il y a trop de décès que tu connaissais là. Nilda, tu vas envoyer l'offrande, tu es dans quel pays? J'ai profité d'un truc là, ça m'a plu. Hein. Je vais vous parler de l'argent qui est en suspens. L'autre là me plaît encore. Attendez, je vais encore parler de ça. Est-ce que vous savez qu'il y a un agent que tu ne connais même pas encore? Tu vois, parfois tu restes, tu connais ton agent que tu as chaque mois, non? Bon, je tourne dans les 5000 euros le mois, je tourne tous les mois, je suis dans les... Maintenant, tu entres dans l'année-ci. Dieu a prévu de multiplier l'argent là par 10. Tu restes comme ça là. Ça ne passe même pas dans ta tête, tu ne sais même pas. Toute personne qui a un business quelque part, qu'il avait pensé à toi pour te connecter au business là et ça devait multiplier ton argent par 10. Je déclare qu'à l'instant, cette personne se rappelle de toi. Les projets de 1 million d'euros qu'on va t'envoyer faire en Afrique là, je vous ai... Oh, shakarababo, shanterebo, sakata. Au nom puissant de Jésus, que ces personnes te localisent. Au nom de Jésus.
Si tu es au Congo, tu vas faire ça seulement par Western Union. Vraiment, ça c'est peut-être demain. Ok. Lucie de PayPal, je t'ai déjà fait un message, je pense. J'ai fait ton message dans le direct ici, là. Lucie, je sais même plus ce que j'ai dit pour toi. Je viens bénir ton offrande. Tu as la chance, tu auras double portion de bénédiction. Je viens bénir ton offrande au nom de Jésus. Je déclare que tout ralentissement que tu as eu sur ta vie. Lucie, envoie-moi ta photo immédiatement. Ça peut m'aider pour t'aider. Ah, d'accord, c'est toi. Oh là là. Oh, je comprends maintenant pourquoi. Je bénis ton offrande. Je restaure tes yeux. Tu as beaucoup de projets qui étaient. Tu as des projets que tu avais commencé qui sont. Je peux dire en quelque sorte que ça a séché. Voilà, ça a séché, Lucie. Je remets ces projets sur la table au nom de Jésus. Je vois un peu comme si on arrosait une fleur et ça renaît. Je déclare que tu renais de tes cendres. Tout endroit où t'as enterré, qui que ce soit, soeur, cousine, qui t'ont enterré, toute jalousie dont tu as été victime, qui a immobilisé ta vie, ton mariage, tes finances, je viens t'en sortir au nom puissant de Jésus. Quand elle vous dit que j'ai, quand elle prophétise souvent, ça me plaît. Je suis rendu compte que l'année-ci, c'est l'année où vous allez passer à une autre dimension de responsabilité. À une autre dimension de responsabilité. Donc, avant, tu es dans une petite entreprise, tu gérais seulement, tu étais la secrétaire du boss, je ne sais pas trop. Cette année, Dieu te prend, il porte un projet de 500 millions. Il te met à la tête. Je viens vous ancrer. Je viens vous solidifier. Nilda, tu dois prendre le numéro pour écrire sur WhatsApp pour me donner le nom. Si je dois m'arrêter, ça peut faire le flow de ce que je suis en train de dire. Bon, ça va s'arrêter. Donc, comme je disais, beaucoup d'entre vous, vous allez voir, on va porter des sommes d'argent, on va venir vous donner. On va porter des projets, on va vous donner. On va te donner un passeport diplomatique. On va te dire les papiers que tu cherchais depuis l'année dernière, je veux les papiers, je veux les papiers. On t'offre le boulot dans tel endroit avec les papiers, voyage comme tu veux. Recevez ça au nom de Jésus. Recevez. Vous n'aurez plus d'excuses pour être bloqué. Vous n'aurez plus d'excuses. Je ne peux pas venir parce que je ne peux pas parce que je n'ai pas les papiers. Je n'ai là, je n'ai. C'est fini. C'est fini. Si tu as la carte de visa, tu es sur quelle application? Tu vas aller sur TapTapSend si tu es en Europe pour envoyer. Vraiment, prier pour avoir de bons moyens d'envoi d'argent, vraiment. Parce que quand il y a un truc qui se passe comme ça là et tu bloques et tu ne peux pas envoyer, je sais pas, ça fait bizarre. Moi, j'aime moi saisir. Quand on dit qu'un way, j'envoie ma page, je saisis une fois. Que j'ai n'importe quoi là-bas, je ramasse d'abord, je mets dans mon sac. Allez, picam. Allez, picam. Je ramasse. Il y a aussi beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de. Tu cherches quelqu'un qui devait gérer une certaine partie de ton business. Et ça te donnait vraiment des soucis. Et les gens que tu as mis avant là-bas, ils t'ont vraiment fait des mauvais coups. Donc, ces offrandes-ci là, le Seigneur me montre aussi que vous allez rencontrer, vous allez recevoir des gens qui seront fidèles avec vous, ils vont travailler 20, 25 ans avec vous. Si bien que vous allez même payer leur retraite. Donc, ils vont vieillir dans votre entreprise. Tellement ils seront fidèles. Donc, je vous connecte aux personnes fidèles au nom de Jésus. Je vous connecte aux personnes fidèles au nom de Jésus. Donc, tes cousins Ticone, j'ai prophétisé sur tes cousins Ticone. Je bénis ton offrande, Priscilla. Je bénis cette offrande au nom de Jésus.
Je bénis ton offrande. Je déclare que dans ce pays, tu es béni. Je déclare que tout blocage qu'on t'a donné. Priscilla, est-ce que tu es camerounaise et tu voulais voyager? Je ne sais pas. J'ai cette impression que tu as été bloquée ici, immobilisée. J'enlève l'esprit d'immobilisation sur toi, Priscilla. Au nom puissant de Jésus. Toute personne qui se moque de toi en croyant qu'il s'est assis sur ta destinée, je viens le détrôner de ta vie. Au nom de Jésus, amen. Il y a encore quelque chose que je voyais tout à l'heure là. Je voyais quelque chose. Attendez. Je voyais quelque chose. Il y a beaucoup de personnes que vous avez été envoyées en Europe, pas par hasard. Peut-être c'est pour toi, Rosette. Je vois beaucoup de personnes, vous êtes en Europe et vous êtes dans un état d'inertie. Boulot, maison, dodo, boulot, maison, des dodos. Et depuis que tu as commencé ton travail spirituel, ta force est en train de s'ouvrir. Ouf, je sens la puissance de ça. Oh my God. Ok. Beaucoup d'entre vous dans le rêve cette nuit ou bien dans les jours qui arrivent, vous allez assister à un couronnement. Vous aurez l'impression qu'on vous met sur une chaise, qu'on vient mettre une couronne sur votre tête. Tout pays dans lequel vous avez été bloqué, quand vous êtes arrivé là-bas, on a tué vos rêves. On a comprimé vos rêves. Vous devez mettre la main sur l'écran cette fois-ci. Recevez la royauté. Recevez la connexion aux personnes. Je vous vois comme en fait une toile d'araignée qui va se tisser. Et je vous enlève de l'immobilisation géographique. Tout papier qu'on avait dit avant qu'on ne retrouvait pas ou qu'on ne pouvait pas vous donner. Je déclare que ce papier devient un détail insignifiant maintenant. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur montre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voulez faire des projets, mais vous vous bloquez parce que vous dites que je n'ai pas ça. Et c'est ce que l'ennemi utilise sur vous. C'est ce que l'ennemi utilise sur vous. Donc, j'enlève le blocage mental. Et si vous avez l'huile de blindage, je vous en prie, l'huile de blindage dans vos kits. Si c'est fini, commandez l'huile de blindage. Et mettez ça sur votre tête comme ça. J'enlève tout blocage. Si vous avez le chapeau, parce que c'est, peu d'entre vous avez acheté le chapeau. Si vous avez le chapeau Ndobla, portez sur votre tête cette nuit. Et vous allez chercher des courriers, vous mettez ça ici devant. Donc, je restaure tes idées. Je te mets sur ta chaise. Je restaure tes pouvoirs et je te connecte aux personnes qui vont te permettre de te redéplacer comme avant. Je vois des personnes qui ont été immobilisées. Au nom de Jésus. Je bénis les offrandes de PayPal qui arrivent là. Je bénis vos offrandes. Le numéro PayPal est là. Hein. C'est Aurélie Michel. A-U-R-E-L-I-E. Oui, Aurélie. Michel, M-I-C-H-E-L-L-E, 2017@gmail.com. Je bénis ton offrande et je te libère de tout sable mouvant dans lequel on t'a déposé. Tout tourbillon qui t'a affaibli, tout vertige qui est en train de te prendre, je t'en libère au nom puissant de Jésus. Je déclare sur toi la restauration, que tout endroit où ton argent avait été bloqué, je vois un peu comme de l'eau qui veut couler pour venir vers toi, mais il y a des portes qui bloquent. Apocalypse 3, verset 7. La Bible dit, je suis celui qui ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Je viens maintenant au nom puissant de Jésus ouvrir les portes qui étaient fermées. Et je déclare qu'elles restent ouvertes. Je déclare que l'onction et l'argent coulent vers toi. La faveur coule vers toi. Toute personne, homme, femme, qui te voit, qui a de l'argent pour te donner, qui te donne au nom de Jésus. Amen. Je viens aussi préciser que Anne-Karine, je débloque ton offrande au nom de Jésus. Pour le Gabon, envoyé au 074-18-0080. Donc 074-18-0080. Salut ma chérie, je ne peux pas te livrer ça. Je n'ai personne pour faire la livraison. Donc 074-18-0080. Et le nom, c'est Joseline. Je viens bénir ton offrande au nom de Jésus. Je déclare sur toi, toi, tu es une reine. Tu es une reine qui était... Je te vois un peu comme une... Je ne sais pas, tu as regardé le premier film Avatar.
Il y a ce truc en toi qui était toujours caché. Je viens ouvrir, je viens restaurer au nom puissant de Jésus. Je sais pas si tu avais acheté la couronne finalement, la couronne en courrier là. C'est un voice que je fais à quelqu'un. Je viens te restaurer. Mets la couronne en courrier là ce soir avant de dormir. J'ouvre tes portes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Anelka, je ne demande pas, je n'ai pas de montant pour l'offrande, pardon. Tu as compris? J'ai pas de montant pour l'offrande. Karel, je bénis ton offrande. J'ouvre tes portes, Karel. Je déclare que tu ne manqueras plus. Je déclare que tes petits besoins qui t'inquiètent tellement pour cette année, ils sont résolus. Et je passe mentalement, tu passes dans une autre étape financière. Amen. Karel, tu as beaucoup de blocages mentaux par rapport à l'argent. Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Orange Money 655-31-0750. 655-31-0750. C'est le seul numéro qui passe là-bas. Merci, Reine Christelle. Bonsoir, Lou Job. M'en parler. Je sens tellement de libération qui est en train de se passer. Tellement. Tellement, tellement. Tellement. Ok. Je viens vous libérer de toute attache maléfique, toute relation maléfique dans laquelle vous êtes retrouvé piégé. Je vous libère. Bon, si tu peux faire Western Union, il n'y a pas de problème. Western Union, le nom c'est AB Solo. A-B-E-S-S-O-L-O. AB Solo. Charles Bronson, le prénom. Toute relation maléfique dans laquelle vous êtes retrouvé enchevêtré et vous n'arrivez pas à sortir de là. Je déclare par cette offrande que le maximum à la fin de janvier, je brise cette relation au nom de Jésus. Toute attache d'âme maléfique que vous avez eue, ça vous ralentit tous vos projets. Quand la personne est à côté de toi, c'est comme si ça suce ton énergie. Tu sens carrément la vie qui sort de ton corps. Je vous libère au nom puissant de Jésus. Toute personne, relation sexuelle qui vous attache. Une femme me dit l'autre jour que son voisin commence à la draguer. Elle se retrouve à toucher à son voisin. Elle ne sait pas comment. On commence le jeûne de fin d'année de 3 jours. Elle dit que c'était alors grave. Il vient tous les jours. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Et tu sais, quand c'est ton voisin, tu vas faire comment? Toute situation inconfortable, tout mauvais esprit qui entre en quelqu'un, il vous localise pour vous faire du mal. Je déclare que vous en êtes libéré au nom de Jésus. Amen. Anelka, j'ai reçu ton offrande. Je viens bénir cette offrande au nom de Jésus. Je viens bénir cette offrande au nom de Jésus. Je déclare sur toi la restauration. Et que... Le 655 est plein. Hé, Orange, qu'est-ce que vous me faites comme ça, là? Ouais, Seigneur. Mon agent va faire comment pour arriver à ma main? Ah, Seigneur Jésus. Pardon, filmez le code Orange Monique là-bas dehors. Vous m'envoyez ça. Il y a un code de Orange sur la table dehors, là. Hop, c'est pas la chance. 3 numéros se remplissent en une soirée. Oh, Jesus is Lord. Quand vous acceptez souvent les prophéties là, j'ai accepté là, j'ai prophétisé. Moi-même, j'ai prophétisé ma vie. Que je déclare que tous mes comptes sont pleins. Ok. Voilà mes prophéties qui se réalisent sur vous.
Pardon, si vous pouvez envoyer sur mon MTN, alors. MTN a un peu l'espace. Bon, le code Orange, c'est quoi? Si vous pouvez faire, parce qu'on a aussi on a un compte marchand. Donc, vous faites dièse 150 étoiles, 47 étoiles. Voici mon numéro. Donc, je vous donne le numéro de mon code Orange. Vous connaissez comment ça marche. Donc, le code, c'est 58 68 54. 58 68 54. Et puis après, vous mettez étoile, vous mettez le montant et vous mettez dièse. Et là, vous pouvez envoyer. Donc, dièse 150 étoile 47 étoile 58 68 54 étoile, le montant. Et puis, vous mettez dièse, vous lancez. Ça va afficher normalement The Gift Digger Academy. Donc, quand vous envoyez ça à The Gift Digger Academy, vous mettez votre code PIN et puis c'est bon. Je vais aussi voir comment l'autre s'est rempli. Donc, je répète, dièse 150, dièse 47, étoile 58, 68, 54, étoile, le montant que vous voulez envoyer, et vous mettez dièse. Je viens bénir votre offrande. Comme mes prophéties sont en train de s'accomplir sur moi-même et que mes comptes sont tous pleins, que mes transactions sont arrivées au maximum, je viens bénir vos offrandes. Je bénis vos comptes bancaires. Donc, voici les bénédictions que je vais libérer sur vos comptes bancaires. Je sais qu'il y a les jaloux qui regardent, ça les énerve. Mais ne vous dérangez pas. Ok? Vous ne pouvez rien me faire. Oh my God. C'est pour ça que vous allez rire. Les gens vont voir votre bénédiction, ils vont voir votre argent. Ça va les énerver. Ils vont dire que yeah, on ne peut rien faire. Ne vous dérangez pas. Vous allez vous enrichir en direct devant les gens. Quelqu'un vient s'asseoir dans ton restaurant, il compte le nombre de plats que tu vends. Il multiplie. Il multiplie. Ah ouais, ouais. Laissez. Les gens vont vous. Darrell Chinda, please, I beg you. Tu as envoyé l'offrande. Et fais le message. C'est mieux que tu fasses le message. Donc voilà la prophétie. Voilà ce que je vous donne sur vos comptes bancaires. Je déclare, selon Deutéronome 28, verset 4, je déclare que vos enfants sont bénis. Je déclare que le fruit de votre sol est béni. Je déclare que le fruit de votre troupeau est béni. Prononcez le nom de vos business. The Gift Digger Academy. Prononcez le nom de vos business. Je déclare les portées de votre gros et de votre menu bétail. Je déclare que les enfants de vos business et les enfants des enfants de votre business sont bénis. Je déclare que votre corbeille et votre huche. Prononcez les noms des banques où il y a votre compte bancaire là. Prononcez tout ça. 58, 68, 54. Donc, dièse, étoile. Dièse, 150, étoile. 47, étoile. 58, 68, 54, étoile, le montant. Et puis, tu mets dièse. Tu lances sur Orange. MTN, c'est le 680 71 0701. Dorian, je bénis ton offrande. Je vous demande beaucoup de vous cacher. Si vous faites les offrandes, ça la faites ici en inbox, je vous en prie. Parce que vous avez beaucoup de... vous ne savez peut-être pas, vos ennemis sont sur ma page. Et je vous dis ça, ce n'est pas la blague. Donc, donnez, je cherche le numéro de la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, je vais vous donner. Pour faire le transfert en Côte d'Ivoire, le numéro est le suivant. Plus 225 05 01 49 05 95. Tu écris sur WhatsApp avant de lui envoyer l'offrande. Donc 05 01 49 05 95.
Vous avez encore demandé quel pays? Ça, c'est Orange NTN. Je l'ai donné. Pour le Gabon, c'est le 0741 80 0080. Ok, Shot Mini, je bénis ton offrande, je bénis ta dîme au nom de Jésus. Je déclare que vous n'aurez plus peur de vous enrichir devant les gens. Je déclare que vous n'aurez plus peur de vous enrichir devant les gens. Je déclare vos comptes bancaires bénis. Compte d'épargne, compte courant. Tout compte que tu allais demander pour faire ouvrir le compte, on a refusé. Je déclare qu'à partir de demain, on te dit, madame, venez ouvrir votre compte. Toute carte que tu as demandé, on a refusé. Demain, il t'appelle, madame, venez prendre votre carte. D'accord, tu envoies ton offrande à The Gift Digger Academy. Super. Je bénis ton offrande. Je déclare que vous êtes béni à votre arrivée, vous êtes béni à votre départ. Tous vos business sont bénis. Je déclare que vous êtes la tête, vous ne serez jamais la queue. Je déclare, selon Deutéronome 28, verset 12, je vous ouvre le bon trésor de l'Éternel. Je vous ouvre le ciel et je vous envoie la pluie dans ce temps-ci, maintenant. Et je bénis le travail de vos mains. Tout le travail de vos mains, je bénis au nom de Jésus. Quand vous avez cliqué, vous avez payé l'offrande. Je déclare que tout ce que j'ai déclaré dans ce direct, comme bénédiction, ça rentre dans votre corps, ça rentre dans vos os. Au nom de Jésus. Ça rentre dans vos os. Au nom de Jésus. Ça rentre dans vos os. Au nom de Jésus. Et tu as encore envoyé l'autre offrande. Les frissons. Je bénis ton offrande au nom de Jésus. Additionnez souvent vos offrandes avant de m'envoyer. Je vous en prie. Parce que quand vous envoyez les petits montants comme ça, ça compte dans les transactions mensuelles. Donc je crois que je vais maintenant commencer à donner mon compte marchand. Je vais commencer à donner le compte marchand. Comme ça, vous allez faire ça là-bas. Vous faites même 5000 transactions par mois, ça ne me dérange pas. Je déclare que tout ce que vous allez toucher de vos mains, ça va fleurir. Partout où votre corps sera présent, on va prononcer votre nom. On va dire, oh, c'est telle personne, c'est Jocelyne qui m'envoie. Dès qu'on va dire que c'est ton nom, on va ouvrir la porte. Au nom de Jésus. Partout, on va mettre ta photo. Si on met ta photo devant un magasin, ça va passer. On met ta photo sur un produit, ça va se vendre. Au nom de Jésus. Amen. Je libère tes finances au nom de Jésus. Quand tu dis que tes finances sont bloquées, c'est une confession que tu fais. Je viens annuler toute mauvaise déclaration que tu as parlé sur ton argent. Toute parole négative que tu as donnée qui bloque ton argent, je viens l'annuler maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ne blaguez pas avec vos dîmes. Ce n'est pas le jour où tu me vois en direct que tu vas te rappeler de payer ta dîme. C'est comme ça que tu t'exposes pour le diable. Ta dîme, c'est quelque chose comme les impôts que tu sais. C'est un devoir. Je ne dois pas. Ne payez pas parce que j'ai peur de moi. Je ne mange pas les gens. Ça se passe entre toi et Dieu. Moi, justement, là, je parle. Je dis ce qu'on me dit de dire, je dis. Toute personne qui vous a... Attends, moi, on m'a parlé d'abord de la bénédiction du ventre. Les gens qui cherchent l'enfant, là. Oui, l'enfant. Le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a des personnes parmi vous. Vous avez tout reçu l'année passée. Donc là où vous êtes là, vous ne manquez de rien. Mais il y a l'enfant qui était bloqué. Ceux qui ont déjà envoyé l'offrande, tant mieux. C'est ce que tu vas envoyer. Je viens m'accorder avec toi. Tout blocage qu'il y avait sur ton ventre, tout ce qu'il y avait dans tes trompes qui t'empêchait de concevoir, quel que soit le nom qu'ils ont donné à l'hôpital, je commande que ça se désintègre quand tu écoutes ces mots. J'envoie maintenant la puissance du Saint-Esprit dans ton corps. Je désintègre tout myome, tout kyste, toute forme maléfique qu'il y a dans ton corps. Quel que soit le nom qu'ils ont donné, que ça se déplace, que ça ne se déplace pas où. Je commande que ça se désintègre maintenant. Je viens électrocuter cette boule qui est dans ton corps, que ce soit dans ton sein aussi, au nom de Jésus.
Je te donne 2 mois pour concevoir. Et les cas que le Seigneur lui-même, il t'organise. Il t'organise. Même s'il faut qu'on te rende, on te drogue pour que tu fasses l'amour pour tomber enceinte. J'appelle maintenant cette relation qui va te permettre de concevoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ce que tu as désiré depuis longtemps. Je protège cet enfant par la puissance du Saint-Esprit. Celles qui sont déjà enceintes et qui ne savent même pas encore, je déclare cet enfant béni. Allez faire vos tests de grossesse. Je déclare qu'on va plus se moquer de toi parce que tu n'as pas d'enfant. Et je déclare que tu n'accoucheras pas seulement un. Quand tu vas accoucher un, en 3 ans, tu vas accoucher 3 enfants au nom de Jésus. Amen. Chacun connaît sa parole, chacun reçoit sa parole. J'ai dit ce qu'on me dit de dire. Le reste, ce sont eux qui travaillent. Je parle. L'eau, c'est l'abondance, ma chérie. L'eau, c'est l'abondance. Je vous bénis. Je déclare que vous recevez les. Vous êtes connectés à vos anges. Toute surdité spirituelle dont vous avez été victime, je vous en libère. Toute surdité qui faisait que quand tu restes en ça, tu sens que je sais que je dois faire ça. Tout ce qui vous ralentissait et qui vous bloquait pour que vous ne fassiez pas, je déclare à partir d'aujourd'hui, vous vous levez et vous agissez. Je déclare que vous reconnaissez la voix de votre ange. Comme Samuel a reconnu la voix du Seigneur quand Dieu l'a appelé. Amen. Thierry, je bénis ton offrande. Je bénis ton offrande. Je ne sais pas si tu es encore dans le direct. Je bénis cette offrande au nom de Jésus. Oh, voilà encore une autre que je reçois. Beaucoup d'hommes, l'homme c'est le pilier de la famille. Beaucoup d'hommes, vous êtes arrivés en Europe, ingénieurs, ceci, cela. Vous êtes, je vois carrément un homme qui est enchevêtré dans les dettes. Tu es quelqu'un que tu as un bon boulot, les gens t'envient même presque. Mais tu te retrouves coincé dans les têtes. Tu es comme ça là. Tu ne veux pas bouger. Ce message, c'est pour toi. Je ne sais pas si tu as fait l'offrande ou pas, mais je viens détacher toute chaîne. Si quelqu'un m'écoute et que c'est lui, prends de l'huile d'olive. Si tu en as qui vient d'un de mes kits, tu prends ça. Si tu as l'huile de bendage, tu mets seulement un doigt dedans. Tu dois encercler tes chevilles avec de l'huile d'olive. Je te détache de tout endroit où on t'a attaché, tout sable mouvant. Je vois comme une forêt où dans laquelle on a attaché tes pieds dans les lianes. Voilà. Tout projet avec S que tu as voulu porter, qui a été bloqué, qui a été résisté amèrement. Je sens quelqu'un que ton projet était tellement résisté que tu sens une résistance étrange. Je te libère à cet instant par ton offrande que tu es en train de faire. Et je déclare sur toi la détermination. Que les projets, les sponsors, j'entends le mot sponsor, j'entends la banque qui devait te soutenir. C'est comme si c'était mort. Tout s'était tombé en une fois. Et ce que Dieu est en train de vous montrer, c'est que c'est en train de renaître. C'est un peu comme si... Ézéchiel, il faut que je lise Ézéchiel sur toi. Ézéchiel, bah, je parle, mais bon, tu vas te reconnaître. Même si c'est dans 5 ans. Je fais entrer en toi un esprit.
Je te commande de vivre. Selon Ézéchiel 37, verset 5. Tout projet que tu as conçu qui était mort, je le fais renaître. Je prophétise sur les ossements desséchés de ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Je viens vous donner des nerfs. Je fais croître sur vous de la chair. J'appelle les personnes qui vont concrétiser ces business et ces idées. Je vous couvre de peau et je mets en vous un esprit et je vous commande de vivre. Je multiplie ces projets dans les mois qui suivent. Que les ralentissements que vous avez connus depuis 5, 10, 20 ans soient multipliés, accélérés pour le futur. Je déclare sur vous une accélération exponentielle. C'est-à-dire, dans 6 mois, tu vas faire, comme le monsieur dont je parlais ce matin, on te parle aujourd'hui, on te dit, ok, on va dans ton pays dans 2 semaines, et si ça marche bien, 10 jours après cette arrivée dans ton pays, on lance le projet. Et le projet, quand il est lancé, 3 semaines plus tard, c'est ouvert. Je mets sur vous une accélération exponentielle. Je mets bien une accélération exponentielle. Voilà, au nom de Jésus. Vous avez beaucoup poursuivi les gens. Maintenant, c'est à eux de vous poursuivre. Je déclare qu'on ne va plus vous poursuivre. Non, je déclare qu'on ne va plus poursuivre pour faire du mal, mais on va vous poursuivre pour vous bénir. On va vous poursuivre pour faire du mal. Chinda, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose sur toi. Il y a quelque chose sur toi. C'est un peu comme si c'est quelque chose qui est embêtant. It's annoying. J'ai libéré les bénédictions ici là depuis que tu n'as pas vu. Hein. Tout ton problème, c'est seulement que je dois péter béni. Je parle pas depuis que tu ne reçois pas. Et quand je regarde, je ne vois rien. Tu comprends ce qu'elle veut dire? Tu as un esprit de pauvreté chronique qui est sur toi. Et de rejet aussi en passant. Bon, pour le Terminator, ça vient à peine d'arriver en France. Donc, je vais voir avec la représentante pour te dire. Soyez très smart, soyez très intelligent, très important. Il y a aussi des gens dans votre famille. Vous êtes dans la famille, on se moque de vous depuis. Voilà. Ça fait partie de vos bénédictions maintenant. Donc, ça c'est pour vous. Ton père est déjà mort ou bien ta mère est déjà morte. Et tu vis dans la maison familiale. Tu vis au dépend de quelqu'un même en fait. Le Seigneur me dit de te dire que d'ici mi-février, il va inverser ta situation. Premièrement, côté boulot, tu vas trouver un boulot et avant 6 mois, tu auras trouvé un autre mieux payé. Et tu vas commencer à aller de l'avant. Tu vas monter. J'enlève la honte sur toi. Toute situation de honte dans laquelle on t'a déposé, on t'a abandonné depuis. Toute situation de famine dans laquelle tu te retrouves. Tu ne sais même pas que tu as faim, tellement tu es habitué à la famine. Toute perte de poids que tu as eu. Parce que ce poids-là est parti parce que tu avais faim tout le temps. En fait, je me suis rendu compte récemment qu'il y a des gens qui... Vous êtes mince parce que... Ce n'est pas parce que tu jeûnais. C'est parce que tu n'as pas l'argent pour manger. Et c'est dans ça que tu es. On te voit, on croit que tu es mince seulement parce que tu veux. Non, non. Tu n'as pas l'argent. Tu rentres à la maison, tu manges une fois par jour. Parce que c'est que tu as conditionné ton corps pour ne pas manger 2 fois. Donc, je te sors de cette pauvreté chronique, de cette dépendance financière d'autres personnes. Au nom de Jésus. Le numéro pour le Gabon, c'est le 074 18 00 80.
C'est une malédiction. Hein. Moi, souvent, c'est là, j'ai même le temps pour parler avec les gens. J'ai un ami là. Il aime trop Yah, qu'il est chrétien. Il dit, manqué, il n'y a pas de problème. On le voit là maintenant, il parle. Ouais, il commence à me dire, voilà, il questionne mes croyances. Je lui dis que papa, ton niveau est mon niveau. Je ne peux même pas, j'ai pas de compte à te rendre. Parce que pas, tu ne peux pas comprendre. Je lui dis donc, j'attire son attention que regarde-toi, ça ne tique pas dans tes oreilles. Tu manques toujours l'argent tout le temps. Ça ne te dit rien. Le temps de Dieu va venir quand dans ta vie? Donc, sérieusement, sincèrement, tu es habitué à je n'ai pas l'argent. Tout ta part, je n'ai pas encore l'argent. Tu n'as pas fait ça pourquoi? Ah, je n'avais pas l'argent. Donc, pourtant, première idée qui vient de ta tête, je n'ai pas l'argent. C'est devenu une maladie chez toi. Et tu ne sais même pas. Tu es dans le manque. Donc, quand tu penses souvent à certaines factures, tu as mal aux os. Tu as mal aux os. Et c'est l'œuvre du diable. Je ne sais pas ce qui te passe par la tête. Parce que quand le diable veut te mettre dans un endroit pour t'oublier là-bas, il va te faire croire que tu as besoin de fermer ta prison toi-même. Tu pars, tu te mets dans un coin. Tu prends, tu tires la porte. Tu fermes le cadenas. Toi-même, hein, tu as la clé dans la prison. Tu fais quoi là-bas? Non, tu sais, on ne peut pas avoir trop l'argent. Hein. Je suis béni spirituellement. Je suis béni spirituellement. Le Seigneur me bénit. Ouais, tata, je peux venir manger chez toi le soir. Tata, tu peux m'héberger pendant 3 semaines. Je vous sors de toute dépendance financière au nom de Jésus. Toute personne qui est dans votre vie, qui se moque de vous, qui suce votre étoile, qui suce votre énergie, et il vous donne un peu d'argent, comme ça, en contrepartie. Ce soir, vous sortez de cette cage. Au nom de Jésus. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus ne discutait pas avec le diable. Diable, sors de ce corps. Sors alors. Ça, non. Seulement par sa présence. Satan s'est dit, ah, qui est Dieu? On sait que tu es le fils de Dieu. Non, ne nous fais pas de mal. Il dit, taisez-vous. Sortez. Sortez. Il y a les maisons que... J'ai remarqué ça que moi, je marche avec la bénédiction. Il y a les maisons que quand tu entres chez eux comme ça, là, ils savent que si tu fais 2 jours chez eux, les 2 jours là, ils mangent comme ils veulent. Vous le savez. Mon collier blanc, c'est là, ma chérie. Tu n'as pas 150 000, ne me contacte pas. Il ne vend même pas d'abandon. Il faut que je cherche la personne qui a vendu. Parce que je vois là, c'est pièce unique. Quand tu mets ça sur toi, la puissance de ça, ça peut t'alourdir, ça peut te faire tomber la tête. Vous aimez toujours voir les choses, vous dites que vous voulez. Il y a une là qui a vu un de mes colliers. Elle dit, oh, j'aime ton collier là, j'aime. Je dis, ok, tu aimes, hein. C'est 150 000. Elle dit, je vais te... Et c'est toujours un bête collier comme ça. Je crois que l'autre là ressemble à ceci. Ça, c'est pas le vrai. Ça ressemble toujours à ceci comme ça. Là. Elle dit, c'est 150 000. Tu as l'argent, envoie. Ok. Vous devez arriver à un certain degré où vous comprenez. Jésus est venu, on l'a oint de Saint-Esprit et de force. Pour faire quoi? Écoutez. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Ma chérie, si tu entres, les gens font... Ah, elle est encore venue. Oh. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé dans les villes, Jésus vient chez moi. Jésus, viens dormir chez moi. Vous n'avez pas compris? Il faisait du bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable.
Car Dieu était avec lui. Jésus avait compris que je dors avec Dieu. Et hier, quand je parle encore avec ce jeune homme, je lui dis ceci. Je lui pose une question. Parce qu'il est même plus fait le genre, il est trop sage. Mais regarde. Pourquoi tu penses que quand il était dans la tempête, Jésus s'est levé? Il dit, pourquoi vous avez douté? Où est votre foi? Où est votre fait? Jésus, quand tu venais vers lui, il disait seulement que crois. Crois seulement. Hein. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Regarde-moi. Luc 4. Voilà pourquoi Jésus est venu encore. Vous êtes partis à l'église chaque jour. Vous ne connaissez pas pourquoi. Vous ne savez pas ce que Jésus est censé faire dans votre vie. Souffrez. C'est la CAF qui vous donne l'argent. La CAF. Te voilà la CAF. Quand ils disent qu'ils vont venir contrôler l'argent, tu commences à trembler. La CAF va venir. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le même esprit qu'on a dit dans Acte 10, verset 38. L'Esprit est sur moi. Pourquoi? L'Esprit ne vient pas pour que tu te couches à la maison, tu dors, tu regardes la télé. L'Esprit ne vient pas sur toi pour que tu envoies des messages aux gens. J'étais béni. Je déclare sur toi au nom de Jésus que tu... What? Écoutez. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce que tu peux dire aux pauvres qui va le réjouir? Si ce n'est que, ok, il y a l'argent maintenant là-bas. Voilà l'argent. Ou bien prends l'argent. Ou bien va là-bas chercher l'argent. Ou bien... Qu'est-ce qui peut réjouir un pauvre? Gars, je n'ai pas l'argent. Laisse-moi tes discours là. Je veux là. Voilà la première chose que Jésus est venu faire dans ta vie. Toi qui es en train de souffrir, tu acceptes la souffrance là. Ah, tu ne connais pas, hein? Ma tante qui m'a bloqué là, ma belle-mère là, elle est forte jusqu'à. Ma chérie, même si elle a 35 ans d'expérience dans la sorcellerie, ton pouvoir dépasse sa part. Je vous dis, Rora. Il t'a honte pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Numéro 2. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les nombres de fois où on t'a déçu, où on t'a fait ceci. Tu as reçu l'Esprit de Dieu pour te relever. Tu avances sans pleurer. Oh, on m'avait fait ça. On m'avait fait ça. Non. Tu tombes à 14h. 14h30, tu es debout. Tu es en train de partir chercher ton argent. Tu es en train de partir chercher ton argent. Hein? Tu t'appelles 6 mois au sol. Tu passes sur le canapé de ta cousine dormir pendant 6 mois. On m'avait fait ça, on m'avait... Quoi? Continuons. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Je bénis vos offrandes au nom de Jésus. Mais je préfère que vous m'écoutiez. Toute offrande qui est envoyée maintenant ou plus tard, je bénis vos offrandes. Écoutez-moi. Écoutez ce que je dis. Ouvrez votre esprit. Jean 6, verset 63, les paroles que je vous donne, je vous transmets la vie. Tu es là, ta vie n'avance pas depuis 6 ans. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Dès que tu as un petit projet, quelqu'un vient te mettre à terre. Ça commence ici dedans. On te détruit ici dedans, ma chérie. Parfois, c'est dans les rêves qu'on vient, on t'attaque. On te met à terre dans le rêve. Tu te réveilles le matin. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Je suis en train de vous donner la vie. Je vous transmets la vie.
Recevez la vie dans vos affaires. Je suis là pour vous proclamer la délivrance. Je te dis que toi, dans ta prison, la sors. La clé était dans ta main. Hein. Tu t'es assis là. Tu ne sais pas pourquoi. Il n'y a personne pour ouvrir. Prends ta clé. C'est dans... Ouvre ta main, tu vas voir. Mets dedans, tourne. Ouvre. Sors. Sors. Sors, tu pars. Va encore ouvrir ton salon de coiffure. Tu vas voir comment ça va marcher. Repars, fais ton restaurant, tu vas voir. Tu seras surchargé avec les commandes. Parfois, tu vois les gens qui... Je vous assure que j'ai eu souvent les époques de ma vie où je reste comme ça. Je vois les femmes, comment elles vendent les choses. Je dis, ah, on fait comment pour que ça marche aussi comme ça? Mais je vois ma page, il y a une personne. Après, je dis, ah, Seigneur, peut-être que... Il n'y a pas de peut-être que... C'est toi qui vas fuir les clients. Et ce sera à ton rythme. Pour prononcer aux aveugles le recouvrement de la vue. Est-ce que tu sais que la vue, ta vue là, ta vision pour ta vie là, c'est important. Beaucoup d'entre vous, tu es arrivé à Dubaï, tu es calé. Tu es arrivé au Koweït, tu es calé. Tu m'écoutes du Koweït, tu es là-bas comme ça là. Tu es au Koweït là-bas comme ça. Il y a une femme là qui m'écrivait souvent. Elle participait souvent aux prières. Hey! Stéphanie, je bénis ta dîme. Je bénis cette dîme que tu viens d'envoyer au nom de Jésus. Elle était souvent au Koweït comme ça là. Il y a un enfant comme ça là. Tu sens qu'il y a même 50 esprits dans l'enfant là. Des légions de démons là. Et c'est quand on commençait la prière que l'enfant a commencé toujours à la déranger. On commence au nom de Jésus. On commence. L'enfant vient. Tu dis que yay. Il dit, maman, je n'ai pas le choix. Je me suis engagée avec les gens ici pour un an. Je dors ici, je fais tout ici. Je restaure votre vision. Toute maison, tout employeur qui vous a pris chez lui, il a tué votre vision. Il a tué vos rêves. Il a tué votre futur. Il a tué tout ce que vous aviez. Viens pas, viens pas. Tu arrives au Maroc, il te dépose. Tu arrives à Dubaï, il te dépose. Les gens t'es parti en Bénin. Tu es en Turquie là comme ça, là. On t'a jeté. Écoute bien. Écoute-moi bien. Je te relève de cette chute. Je déclare que tu te vois prendre ton avion et traverser pour arriver là où tu partais au départ. Je déclare que le prochain, la prochaine traversée là, il y aura ta place dedans. Au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les pays où vous ne pouvez pas faire d'offrande, envoyez là, vous ne pouvez pas envoyer l'argent. Achetez quelques biscuits, vous donnez aux enfants dans la rue demain. Deuxième chose, vous achetez une boisson, peut-être un jus de raisin. Parce que parfois dans les pays arabes, ce n'est pas facile de trouver la boisson alcoolisée. Vous prenez une petite boisson de raisin ou un jus. Tu parles à la terre là où tu es. Je vous demande la faveur. Que la prochaine fois qu'il faut, on fait le visa ou n'importe quoi, si c'est la traversée, n'importe quoi, que mon nom sorte aussi, on me prend. Et je déclare que je traverse, j'arrive jusqu'au bout. Et le jour où tu vas traverser, en partant, prends une petite bouteille de quelque chose, tu mets dans ta poche. Quand tu arrives là où il y a l'eau, tu ouvres ça, tu verses dans l'eau, tu parles encore. Tu peux aller caler dans la mer, tu meurs. Malheureusement, je sais que beaucoup d'entre vous m'écoutez, vous êtes bloqués dans des endroits. Tu ouvres l'eau là. Tu verses dans l'eau que tu es en train de partir sur ça maintenant. Je demande votre faveur. Et ne commentez même pas. Je connais, écoutez bien, je connais vos situations. Hein. Ne commentez pas vous. Parce que les gens qui vous ont bloqué dans le pays là, ils sont sur ma page. Quand vous allez commenter, ils vont vous voir. Je vous demande de créer les faux profils. Créez les faux profils. Appelez-vous étoile filante. Appelez-vous soleil de midi. Venez sur ma page et commentez maintenant. Une femme m'a même dit qu'elle a créé un faux profil. Que sa tante a connu, elle sait que c'est son faux profil. Que sa tante lui dit aujourd'hui que tu suis de telle femme. Elle dit que mais j'ai créé un faux profil. Comment tu sais que c'est moi? Donc vous allez faire quand même le premier faux profil. Parce qu'il crée encore l'autre. Donc je vous ouvre les yeux. Que tout rêve que tu avais au départ, qui t'avait poussé à l'action, qui t'avait poussé à t'investir, que ce rêve renaisse.
Que ce rêve renaisse. Et cette fois-ci, je mets tous les ingrédients dont tu as besoin pour que ce rêve s'accomplisse. Je te connecte aux personnes qui vont te donner les documents dont tu as besoin. Je te connecte aux personnes qui vont te donner les idées dont tu as besoin. Qui vont te dire ce que tu vas dire là où tu pars demain là. Tu vas passer à l'ambassade, ils vont te dire exactement. Même si c'est arrivé à la salle d'attente de l'ambassade, que tu vas trouver quelqu'un qui va te dire, oh, oh mamie, il ne faut plus te dire comme cela. Je mets les anges sur votre chemin qui vont donner la direction. Je déclare que vous ne serez plus confus. Au nom de Jésus. Je déclare l'annulation de vos dettes. J'annule vos dettes, j'annule vos dettes, j'annule vos dettes. Dans un passage qui me revenait à l'esprit, oh Seigneur. L'année de grâce, j'ai déclaré l'année de grâce sur vous. J'ai déclaré, vraiment le direct, c'est là, c'est quelque chose que tu vas garder ça quelque part, tu dois regarder ça en 4 fois. Il y a beaucoup de bénédictions dedans. Oh, the year of l'année de grâce. J'annule vos dettes au nom de Jésus. Seigneur, remets-moi ça à l'esprit. Je crois que c'est dans le nombre. L'ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse et qui lui a montré le chemin qu'il doit suivre. Exode 3. Ça, c'est Exode, non. Non, c'est pas celui-là. Exode 23. Ça c'est votre passage. Exode 23 verset 20. J'appelle maintenant sur votre chemin les anges, les anges, les anges, les anges, les anges, les anges. Écrivez les anges, les anges, les anges. Les anges aiment quand on les appelle parce qu'ils sont là pour ça. Mais généralement on les appelle pas beaucoup. Je bénis ton offrande brunette. Exode 23 verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Méditez sur cette parole. J'envoie un ange devant toi. Ça veut dire qu'avant que tu n'aies l'idée de partir demander le visa pour le pays-là, avant que tu n'aies l'idée d'envoyer ton fils dans cette région-là, avant que tu n'aies l'idée de dire que je vais aller m'installer là-bas, avant que tu n'aies l'idée de dire que je vais faire dans tel produit, je vais vendre ça, l'ange est allé devant toi. Il est allé devant toi. Pour faire quoi? Écoutez. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Vous suivez? Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Voilà ce qui t'attend en 2023. Avant que tu n'arrives dans un bureau, la personne va rêver de toi la nuit. On va venir lui dire que la fille qui va venir demain, là, donne-lui ce qu'elle veut. Quand tu apparais devant lui le matin comme cela, madame, c'est comme si elle vous connaît. J'envoie, écoutez-moi bien, sur ordre apostolique. Ça, c'est dans quoi je suis en train de m'aventurer maintenant. C'est l'ordre apostolique que je suis en train d'entrer dedans maintenant. J'ai commencé avec le prophétique. J'envoie vos anges aux quatre coins de la terre. Ils sont en train de partir maintenant.
chemin que vous aviez oublié, tu avais oublié que tu devais même partir là-bas. Ça revient dans ton esprit. Tu vois, l'année passée, tu avais dit, ouais, je vais faire telle chose, je vais partir dans tel pays pour faire tel projet. Tu restes les problèmes, situation, pam, 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 ça te gifle, tu oublies. Ta copine te contacte demain. Tu devais partir. Tu devais partir dans tel pays, non? Écoutez, j'envoie l'ange là-bas pour qu'il te protège. Tout ton chemin, ton vol sera protégé. Tu auras la faveur des hôtesses dans le vol. Aller et retour. Quand tu arrives même sur place, tout ce que tu avais de bloqué de toute ta vie là, tu vas recevoir ça là-bas. Le visa que tu vas aller demander là, tu demandes 6 mois, on va te donner 5 ans. Au nom de Jésus. Le titre de séjour que tu as demandé là, quand tu arrives pour déposer, la femme te dit, mais attends madame, mais pourquoi vous demandez un an? Vous êtes déjà, c'est déjà possible de demander 10 ans. Je change ton dossier pour mettre celui qui est au-dessus de ce que tu avais demandé au nom de Jésus. J'ai dit que les anges vous mettent d'abord la protection. Recevez votre protection. Recevez aussi le safe arrival. Je déclare que vous arrivez dans le lieu qui a été prévu pour vous. Le père, Terach, le père d'Abraham, il est quitté, il dit qu'il partait. Il n'est jamais arrivé là où il partait. Il arrive en chemin, il se campe, il dit, ok, l'endroit c'est bien, hein. Mettons-nous tout ça. C'est comme ça qu'il est resté là-bas, il a fini sa vie, il est mort là-bas. C'est Abraham qui a commencé le chemin, il est arrivé. Toute destination que le Seigneur a prévue pour vous, quand vous êtes quitté, vous êtes arrivé en chemin, vous êtes arrêté. Je vous dépêche maintenant, je vous soulève, peu importe là où vous avez planté, on vous a mis là-bas. Ça fait des années que tu es là, ça fait 3 ans que tu es dans le pays là, tu voulais partir. Je te débloque, j'ouvre tes portes, on se rappelle de toi. On te reprend de là où on t'avait déposé. Depuis chaque fois, la personne qui fait tes papiers te dit, attends, attends, attends. Ce soir, il t'écrit. Ce soir, il t'écrit, il te dit, c'est bon, il y a une opportunité, prépare-toi. Je déclare que maximum le 15 de ce mois, tu seras passé à l'ambassade et tu auras déjà reçu ton approbation. Au nom de Jésus. Je déclare aussi que vous recevez l'esprit d'obéissance. Que ça demande, ça requiert de l'obéissance. Et parfois tu restes comme ça, Dieu te dit, lève-toi, je te lave. Ton corps pèse sur le lit. Lève-toi, tu fais ça. Ton corps pèse. Achète telle pierre pour te protéger. Ton corps pèse. Fais tel, ton corps pèse. Fais l'offrande. Paie ta dîme. Ton corps pèse. J'enlève toute lourdeur spirituelle que tu as sur ton corps depuis. Au nom de Jésus. Je déclare que ce soir, les idées vont défiler dans ta tête. Tous les projets que tu avais laissés là, ça revient dans ta tête. Au nom de Jésus. Parfois, Dieu peut te mettre un homme dans ta vie. Tu crois que c'était un scammer, hein? Mais il venait seulement pour planter les idées dans ta tête. Il t'a trompé un peu, genre, mais il t'a fait rêver. Je déclare que cette capacité de rêver qui est partie quand l'homme l'a quitté, ça revient. Cette fois-ci, ça vient seul. Au nom de Jésus. Cette fois, ça vient seul. Au nom de Jésus. Tu reprends tes rêves. Tu reprends ton éclat. Tu reprends ta clarté, ta lumière, ta beauté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez l'esprit de leadership. Certains d'entre vous, vous avez abandonné certains projets parce que vous pensez que vous ne pouvez pas. C'est lui qui me disait tout ce que je devais faire. C'est lui qui me disait. Il disait, mais il ne faisait pas. C'est toi qui faisais. Maintenant, tu vas penser, tu vas faire. Reçois cette onction-là maintenant. Au nom de Jésus. Kouka, je bénis ton offrande. Toi qui as envoyé ton offrande à Côte d'Ivoire, je bénis ton offrande au nom de Jésus. Je te libère de toute malédiction familiale. Je déclare que ton nom sera connu. Je déclare que dans ton business, les gens te connaissent et t'appellent des quatre coins de la terre. Inès, je viens bénir ton offrande. J'enlève l'inertie. J'enlève tout ce qui t'aveuglait physiquement et spirituellement. Reçois les idées de business et la concrétisation de ces idées. Amen. Il y a des personnes avec lesquelles vous travaillez avant. Ces personnes-là, ces personnes ne foutaient rien.
Mais la manipulation mentale qu'ils vous ont fait subir vous a fait croire que ce sont eux qui sont la source de vous. C'est toi qui te levais le matin pour préparer, pour aller déposer, pour vendre. C'est toi qui partais voir les fournisseurs pour acheter la marchandise. C'est toi qui faisais tout. La personne s'assoit. Tu n'es rien sans moi. Tu n'es rien sans moi. Écoute, maintenant c'est toi qui vas réfléchir. C'est toi qui vas faire. Et tu vas soutenir et maintenir ce business. Et ce business va grandir au nom de Jésus. Tu reçois la discipline personnelle. Tu reçois la fidélité et la rigueur. J'ouvre ta personnalité pour tes clients. Toute personne qui avait sali ton nom, qui a fait que tes clients ne t'appellent plus. Par cette offrande que tu viens de faire, je te nettoie, je te nettoie, je te purifie, je te purifie. Je te purifie au nom de Jésus. Celles qui rêvaient de créer leur business là depuis, tu attendais le financement de quelqu'un. Je déclare que tu commences ce mois avec ce que tu as. Et je multiplie ce business par 10 dans les 3-4 semaines qui arrivent au nom de Jésus. Parfois, quelqu'un vient dans ta vie, il t'enjaille. Oh, tu vas faire. Est-ce que tu sais que tu peux faire ça? Est-ce que tu sais que tu peux faire ça? Il te suggère les choses. Quand la personne a ce qu'il veut, il disparaît. Ma chérie, tout ce qu'il avait dit là, c'était déjà en toi. Il t'informe. Donc, je te soulève de ton lit là où tu es couché depuis là. Tes enfants passent tous les matins. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Je te sors de ce lit maintenant. Quitte de ce canapé là. Quitte devant la télé. Va travailler. Va relancer tes business. Tout ce que tu as perdu depuis 6 mois à cause de cette personne-là, je te restaure cela. Je multiplie par 10 d'ici mars. Au nom de Jésus. Toute formation que tu voulais faire depuis, on te bloquait. Les enfants te bloquaient. Oh, tu ne pouvais pas. Reçois l'argent pour faire ta formation. Reçois le temps. Reçois les idées. Je libère ta tête. Pour que tu étudies, ça entre dans ta tête. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je déclare que pendant que tu travailles, tu te fais même de l'argent. Pendant que tu étudies, l'argent entre encore plus qu'avant. Reçois les idées qu'avant tu n'avais pas pour l'argent. Reçois les idées d'argent. Tout canal financier que tu avais, tu étais d'abord positionné dans un boulot où tu avais tes petits miettes chaque jour. Toute personne qui a comploté pour t'enlever de cette position. Prends-le aujourd'hui là, tu parles. Tu dis, Seigneur, juge cette personne. Juge cette personne. S'il a comploté pour m'enlever de cette position, Seigneur, je reprends cette position au nom de Jésus. Seigneur, je prononce ton jugement pour cette injustice qu'on a fait, on m'a enlevé de là. Donne-moi un poste qui est encore même meilleur. Tu prises ton eau, tu verses ça au sol, tu parles. Tout moyen par lequel on a vidé ton compte, peu importe ce qu'ils t'ont dit, que c'est la dette ou c'est ceci ou peu importe ce qu'ils t'ont dit, pour que ton compte se vide, payez madame, payez. La somme que tu as dépensée depuis le 1er jusqu'au 5-6, je remets ça dans ton compte demain, au nom de Jésus. Voilà. Vous êtes rassasiés, non? Ceux qui vont écouter après, là, écoutez et vous faites ce qu'il faut. Écoutez bien jusqu'au bout. Si tu arrives à la fin, pas encore écouter après.
Parce que début d'année, recevez votre double portion au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous donne le code marchand pour payer sur MTN, sur Orange. J'espère que vous l'avez reçu. Le code marchand, c'était quoi encore? C'était de 10 150 étoiles 47 étoiles 58 68 54 étoiles. Vous mettez le montant et vous mettez 10. Vous envoyez. Si vous êtes dans d'autres pays, vous allez envoyer par Western Union. Donc vous pouvez nous contacter en inbox, on va vous donner des détails. Si Dieu t'a parlé, il t'a mis un truc à cœur d'envoyer, ne durcis pas. Ça, c'est un truc que je connais avec Dieu. Si Dieu te dit que donne telle somme à telle personne, même si ta tante, pendant que tu écoutais, tu as dit que donne à telle tante, écoute, fais le plus tôt possible. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Je bénis ta dîme. Je déclare la restauration de tes finances. Je déclare l'ouverture de tes portes. Je déclare aussi la protection contre tout mal. Au nom de Jésus, amen. Je vous connecte au canal financier. Je déclare que, comme je parle aujourd'hui, là, dans ton compte, tu es encore à moins 100 euros. Demain à 7 heures, tu seras dans plus 3000 quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que j'ai le temps pour parler, Eve? Moi, je parle de ma cause sur Facebook. Je parle plus trop. Même pour les consultations, je consulte très peu. Là, je dis que si quelqu'un, tu viens écouter ici, là, tu écoutes, tu prends ce que tu apprends, tu fais. J'ai parlé des lavages. Je crois que je vais encore attendre demain pour les lavages. Les lavages, c'est 25 000 lettres. Normalement, la promotion s'arrêtait aujourd'hui. Je vais attendre encore un jour. Si tu as oublié d'envoyer ta photo pour la photo de ton enfant pour le lavage, je vais prolonger le lavage, je les ferai demain. Envoie la photo de l'enfant, ta photo, et tu payes ton lavage. Fais ton lavage pour le mois de janvier, et c'est aussi pour l'année qui commence. Donc je vais prolonger ça d'un jour. Normalement la promotion s'arrêtait aujourd'hui. Il faut que je dise ça, mais c'est mes collaborateurs là. Je viens bénir vos finances, je viens bénir vos projets au nom de Jésus. Amen. Ouh là, je l'ai fait, mais le lavage des enfants qui ont moins d'un an. Hein. Tu ne fais pas l'âge, je sais. Il y a des enfants de moins d'un an que je fais le lavage. C'est pour protéger le futur de ton enfant. Ce n'est pas pour... C'est un lavage qui se fait à distance. Ok. Bon. Bonne soirée à vous. Non. Attendez. Seigneur me met à cœur qu'il faut que je vous fasse écouter la musique dont je vous parle tout le temps là. Je dois vous faire écouter ça aujourd'hui. Attendez. J'ai déjà arrêté le direct. Attendez. Ok. Je crois que c'est ça. I am full. Got to release all of my goodness.
have to die empty because I got a lot of witness. Now je connais bien ma mission. Attaquer, mais je tiens toujours ma vision. Je parais seul, mais il y a mes ancêtres. Première tête de ma famille est fière de l'être. Ok, je vais faire la version expliquée, ok? Je vais vous expliquer ce que je dis dans la musique maintenant. Écoutez. Je vais arrêter à chaque fois, je vais vous expliquer. Ils ont donné à cette reine, ils ne m'ont donné aucune option. Ok? They gave this queen no option. Buried my gift. Ils ont enterré mes talents. Je suis allée de maison en maison. Moi, j'ai grandi dans les maisons des gens. Je suis allée de maison en maison. J'ai vu le meilleur et j'ai vu le pire. Hey, how to hide, I'm a queen and do what I'm told. J'ai dû cacher aux gens que je suis une reine et faire ce qu'on me demandait de faire. Et la seule chose qui comptait, c'était avoir à manger et des habits. Was food and clothes. The only thing that mattered was food and clothes. The only thing that mattered was food and clothes. Now je connais bien ma mission. Attaquer, mais je tiens toujours ma vision. Je parais seul, mais il y a mes ancêtres. Première tête de ma famille est fière de l'aide. I may be small but powerful. Je suis peut-être petite, mais je suis puissante. Trust me, don't need no one, cause I am full. Je n'ai besoin de personne parce que je suis pleine déjà. Je dois libérer ma grandeur. Je vais mourir vide. Je dois mourir vide parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'observent. Because I got a lot of witness. Parce que j'ai beaucoup de témoins. Now je connais bien ma mission. Attaquer, mais je tiens toujours ma vision. Je parais seul, mais il y a mes ancêtres. Première tête de ma famille est fière de l'être. Je suis la lumière du monde. Je suis une cité qu'on a déposée sur une montagne. Tout ce que je touche se transforme en or. Et après, je dis, il y a un plan pour ma vie.
Quand j'entre, la lumière apparaît. J'ai mon ticket pour le trône. Ok? Voilà, c'est ce que je dis après. Ils m'ont dit que je n'avais pas d'option. Quand tu es une femme célibataire, single mother, no power. Quand tu es une femme célibataire, une mère célibataire, on va dire, single mother, mère célibataire, tu n'as pas de pouvoir. Pendant des années dans ma vie, on me rappelait ça tout le temps. Oh, tu es une maman qui est seule, tu es une maman seule. Donc j'ai mis, c'est ça que j'ai mis là-dedans. Single mother, no power. Had to carry my kid from job to job. J'ai dû traîner mon enfant de boulot en boulot. Les premières années de la vie de ma fille, je travaillais avec elle. Je la tirais toujours, je marchais, je partais travailler avec elle. Donc, had to carry my kid from job to job. So the best and the worst, broke my chains, rose to the top. J'ai vu le meilleur et le pire. J'ai brisé mes chaînes et je suis montée jusqu'au sommet. Donc, je vais remettre un peu cette partie. Single mother, the power. Had to carry my kid from job to job, so the best and the worst, broke my chains, rose to the top. Now je connais bien ma mission, attaquer, je tiens toujours à ma vision. Je parais seul, but Jesus is there, première hôte de ma famille est fière de l'être. They buried me, but I grew up. Ils m'ont enterré, mais j'ai poussé, ok? Comme une graine, quand on prend une graine, on met dans la terre. Donc ils m'ont enterré, mais j'ai poussé. Donc je continue. I'm an oak tree and cover the world. Je suis un chêne. Vous connaissez le chêne, non? Je couvre le monde. I'm an oak tree and cover the world. I got to release all of my gifts, 'cause the spirit of the Lord is upon me. Je dois libérer tous mes dons parce que l'esprit de Dieu est sur moi. Now je connais bien ma mission. Attaquer, je tiens toujours à ma vision. Je parais seul, but Jesus is there. Première hôte de ma famille est fière de l'être. I'm the light of the world. The city set on a hill. Everything I touch turns in gold. There's a plan for life. When I answer, there is light. Got my ticket for the throne position. De Dieu. Sortez de vos cages et libérez les autres. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Sortez de vos cages, libérez les autres. Le moment est enfin arrivé. Sing the song, write a book, launch the business. Chante ta chanson que Dieu t'a mis à cœur de chanter. Écris ton livre que Dieu t'a mis à cœur d'écrire. Et lance ton business que Dieu t'a mis à cœur de lancer. Parce que c'est pour ça que tu es venu. Like, for this reason you came forth. Je reprends cette partie. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Sortez de vos cages et libérez les autres. Le moment est enfin arrivé. Sing the song, write a book, launch the business. For this reason you came forth. Amen. Voilà. Donc voilà la deuxième chanson que j'ai sorti déjà. Je n'ai pas encore mis sur les plateformes. Je me prépare, j'attends que Dieu me parle pour qu'il mette en ligne, ok? Donc je pense que vous avez déjà écouté le premier. La première chanson, vous l'avez déjà écouté au moins 2-3 fois. Voilà. Ça, ce sont des paroles que quand j'ai relâché quand j'ai libéré cette chanson, moi, je suis resté comme ça, j'ai écouté et j'ai compris que je prophétisais sur ma propre vie.
Et il y a des moments quand je suis un peu déboussolée. Je prends la musique, je mets dans mes oreilles. Quand tu écoutes ça avec les écouteurs Bose là, comme ça, c'est super. Parce que tu ressens toutes les paroles de la chanson. Beaucoup d'entre vous, vous avez des livres que vous devez écrire. Vous avez des business que vous devez créer. Vous avez des chansons que vous devez écrire. Malheureusement, pour l'instant, vous êtes encore comme si vous êtes en cage. Je me rappelle quand je faisais la fin de la chanson, il dit « Sing the song, write the book ». Et après, je pense qu'avant ça, je dis « Le moment est enfin arrivé, sortez de vos cages. Libérez les autres. Ta chanson va libérer quelqu'un là-dehors. Tes livres vont libérer quelqu'un là-dehors. Écrire le livre, c'est pas compliqué. Donc, il est temps. 2023, si c'est ton année. C'est l'année où tu dois te lever pour faire ce que tu as dans le cœur depuis là. Voilà. Ok, j'ai reçu les... C'est pour les lavages de demain. Alright. On a terminé, non? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. I'm the light of the world. See the sand on a hill. Everything I touch turns in gold. Tout ce que je touche, ça doit fleurir, vous-même aussi. C'est des choses que vous devez... En fait, je me suis dit, j'écoute tellement de fausses musiques et je fais ça comme refrain dans ma tête. Les gens, oh, I wanted you back. J'ai dit, mais les chansons de Beyoncé ne m'encouragent pas. Je peux chanter ma propre chanson, si bien que quand je répète la chanson, ça me fortifie. Donc, vous êtes la lumière du monde. Tout ce que vous touchez, ça se transforme en or. Et quand vous entrez quelque part, la lumière apparaît. Bon. Bonne soirée. Bonne soirée. Je suis trop contente ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Tu vois, quand Dieu te donne une promesse et tu sens ça dans toi. Tu vois, souvent, il y a une femme qui m'a donné, elle m'a dit qu'elle a rêvé un truc cette nuit. Et elle me dit que quand elle s'est réveillée, elle a rêvé qu'on lui a donné l'argent. Quand elle s'est réveillée, c'était tellement vrai que c'est comme si l'argent était dans sa panderie ou dans son porte-monnaie. Donc, c'est comme si l'argent était à côté d'elle. Je veux que l'année sienne, toutes les promesses que Dieu vous a faites, vous entrez dedans. Si bien que tu restes comme ça là, tu ne regardes même plus le compte, ton compte bancaire. Tu ne regardes plus. Parce que tu sais que je suis riche. Je suis libérée. Tout ce que je vais faire va marcher. Mon magasin que je vais ouvrir là, même si je voyage, ça va marcher. Voilà. C'est comme ça. C'est de maintenant, de 2023 jusqu'à la fin de ta vie. C'est dans ça que tu vas vivre. Ericia, tu es la lumière du monde. Il n'y a pas deux Ericia. Prends tes empreintes digitales, pas dans tous les 8 milliards de personnes. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme toi, Ericia. Il n'y a jamais quelqu'un comme toi sur la terre. Il n'y aura jamais quelqu'un comme toi. Pourquoi tu dis que tu es une lumière? Tu es la lumière du monde. Parfois, quand tu te retrouves au milieu, vous partez dans vos églises, là, quand on veut, le pasteur te dit, non, ne dis pas que tu es la lumière. Dis quand même que tu es une lumière. Il ne faut pas quand même gâcher ta voisine qui est à côté de toi. Eh? Je suis la lumière. Si aussi tu sais que tu es la lumière, c'est bien pour toi. Parce que Dieu ne va pas prendre toute la bénédiction, il va t'empêcher d'avoir. Parce que toi, tu as dit. Non. Dieu est abondant. Vous n'avez pas dit que vous vous retrouvez dans une pièce. Vous mourrez tous parce que l'air, il y a manqué d'air. Non. Vous entrez. S'il y a 100 000 personnes là-bas, dans un stade, les 100 000 personnes vont respirer. Il n'y a pas de manque avec Dieu. Dieu a pour tout le monde. Inspire comme tu veux faire. Et encore les noms. Si j'étais dans ma pièce ici, il y avait 100 personnes. On fait. Et encore les noms. C'est comme ça que vous devez comprendre l'abondance. Ton abondance ne coupe pas ma part. J'ai l'argent, ça ne coupe pas ta part. Ouais. Parce que quand parfois tu avais ton mari, tu vois les maris jaloux là, non?
Quand il reste, il voit, tu m'écoutes, hein, tu es en train de regarder ma vidéo, il dit, ah, qui là-bas, là, ta femme, c'est là. Il reste le soir, deux virements dans ton compte. Tu ne peux même pas jubiler devant lui. Parce que pour lui, dans sa tête, comment t'as donné l'argent là, son argent a été coupé. Non. Chérie, je vends mes sacs à main, je vends mes je ne sais quoi. Toi, tu es ingénieur, tu travailles là-bas. Si mes clients viennent acheter mes choses, ça me bénit. Ça va couper ton salaire. Donc, ne vous laissez pas frustrer parce que ça, c'est souvent les ressentis que moi-même j'ai eu dans ma vie. Je suis béni. Parce que quand il m'assoit, je paye ma dîme. Pourquoi tu t'assois en payant ta dîme, tu montres à ton mari que je suis en train de payer ma dîme. Il voit, il dit, ah, tu as fini. Ok, viens pas manger. Quand tu payes la dîme et les retombées de la dîme là viennent après en bénédiction, il te fait te sentir mal. Quand tu crois que tu es béni, tu sens ça dans toi. Parfois tu dors, tu rêves. Papa, j'ai rêvé qu'on m'a donné l'argent jusqu'à... Tu as même peur de venir lui dire le rêve là. Il est à côté de toi, tu rêves. Tu ne peux pas lui dire. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Ton rêve est tellement sucré que tu te dis, ah, je vais lui dire que j'ai vu le président dans mon rêve. Je vais lui dire que j'ai vu Eto. Je vais lui dire qu'Eto est venu me donner une liasse de billets dans le rêve comme ça. Il va faire comment? Ma chérie, à 22 heures avant d'aller te coucher, tu as dit que viens te laver au sel, il a refusé, non? Tu t'es levé, tu vas te laver, non? N'est-ce pas? Le spirituel est action, réaction. N'ayez pas peur en 2023 de manger votre bénédiction. Moi, on ne peut plus, tu ne peux plus me frustrer parce que j'ai mon argent. Quoi? Tu me frustres? Je suis là, on sait, il me lève tard dans la nuit. Prière. Les jours où on fait les jeûnes là, vous savez dans quel état je suis quand je dois venir diriger la prière? La bénédiction va commencer à venir, tu vas venir parler. Tu parles quoi? Dieu s'est rappelé de sa fille, c'est tout. C'est ça qui vous gêne aussi. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas accepter vos bénédictions. Vous avez honte. Ah, je vais lui dire qu'on m'a donné l'augmentation de moitié de salaire. Je touchais avant 2000 euros. Maintenant, je vais toucher 3000 euros. Ah, ah. Ma chérie, quand tu t'es levée, tu partais faire des prières. Tu donnais aux orphelins. Il était couché à la maison, il dormait, non? Il dormait, non? Souvent, tu restes comme ça. Il y a un projet, on te dit que on va construire l'école dans tel village. Tu dis, il faut que je me sacrifie le mois-ci. Ok. Tu cherches, tu cherches. Tu prends même 100 euros. Tu envoies pour le projet. Un mois et demi plus tard. Bénédiction. Ton diplôme qui était bloqué depuis là, c'est sorti. Et à ton boulot, on attendait que le diplôme là pour te faire passer à 5000 euros le mois. Pour l'instant, j'étais dans 2500 euros. Là, écoutez, l'année-ci, c'est action, réaction et bénédiction. Tout ça, c'est action. Action, réaction, bénédiction. Le spirituel n'est pas compliqué. Il y a même un état, il y a un décret spirituel où tu arrives et tes ennemis ne peuvent plus rien te faire. Pourquoi, attendez, quand, je ne sais pas pourquoi, je voulais arrêter la fesse là. Somme 23. Souvent quand vous restez, vous avez peur de, oh, il va me faire mal. Il va savoir que je, ma belle-mère va savoir que je suis bénie. Ma chérie, il y a un degré où ta belle-mère ne peut plus rien. Écoutez, Somme 23. Tu as validé le premier passage. L'Éternel est ton berger. Tu ne manques de rien. Tu manges bien à la maison. Il te fait reposer dans des verts pâturages. C'est bon. Il te conduit à sentir la... C'est bon. Il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Ah. Il y a ma belle-mère qui ne m'aime pas. Seigneur, comment tu peux mettre la table devant moi? Ma belle-mère regarde. Habitue-toi. Tu as compris? Ce n'est pas que tu peux mettre sur les statues pour qu'elles voient.
Mais le jour où tu sais même qu'elle sait, tu t'en fous. Tu t'en fous. Mon collègue qui complotait toujours contre moi pour que je n'ai pas la promotion là. Ma chérie, tu n'as plus peur de lui. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Ça veut dire que de tous les endroits où Dieu pouvait te mettre, il a choisi là où il y a tes adversaires. Il traverse la route. Il vient, il dit que c'est ici là que tu vas rester. Ouais, Seigneur, on ne peut pas aller un peu à côté. Ouais, Seigneur, ouais, là-bas, non, dans le hangar là. Dieu dit que non. Je te mets ici. Ça, c'est ta portion. Reçois ta part là-bas. Reçois. Après, tu ondules ma tête. Donc, je suis devant eux. Hein. Parce que quand il a écrit, il a mis la virgule, il n'a pas mis le point. Il a mis point, virgule, ça veut dire que ça continue. Je n'ai pas encore fini de parler. Tu es devant les adversaires. Hein? On vient te mettre l'onction. Ils voient comment tu es béni. Ce n'est pas fini. Ma coupe déborde, c'est là qui m'est point. Quand on dit que ta coupe déborde, je vais essayer de vous illustrer ça. Tu vois, quand tu pars au bar, tu pars dans une fête, tu dis servez-moi. Donc, voyez d'abord le scénario. Tes adversaires sont en face de toi. Dieu met la table devant toi. Ouais, Seigneur, ouais, Seigneur. Il met l'onction sur toi. Oui, Seigneur, ne fais pas qu'il voit. Oui, Seigneur. Il dit, montre ta coupe. Montre, Jocelyne. Il commence à verser. Seigneur, ça va, ça va. Seigneur, ça va comme ça. Il dit, c'est quoi? Il met. Il remplit tes OM. Il remplit tes OM. Il remplit tes comptes. Écoutez, vous allez vivre la parole en 2023. Vous allez devenir la parole. Tu vas rester comme ça, là. Tu vas dire que, mais, je ne sais pas s'il va avant. Il met. Après ça, on s'est fait. Oh Seigneur, attends. Il dit que arrête. Tais-toi. Il met. Ça se verse. Dieu aime l'abondance. Vous allez commencer à accepter que ça vienne sur vous, le genre que tu ne peux même pas compter. Il y a des jours, je n'arrive pas à compter mon argent. Ok, dites-moi précisément, on a fait la recette de combien? Bon, madame, c'est entre. On n'est pas sûr. Bon, madame, recevez. C'est un état d'esprit. Votre esprit doit grandir. Vous devez mûrir en 2023. Et quand tu mûris, tu es seul. Je veux que vous compreniez dans le film aussi. Dans le film que David décrit, il n'y a pas son père, il n'y a pas sa mère, il n'y a pas sa famille, il n'y a pas ses soeurs, il n'y a pas ses enfants. Il est seul. Vous avez trop cherché que les gens vous accompagnent sur vos choses. Viens avec moi, non? Viens, on fait le lavage. Viens, on écoute la vidéo. Tu envoies la vidéo dans le groupe, personne ne commente. Ne tente plus d'envoyer mes vidéos dans ton groupe. Laisse-les là-bas. Je vous dis que je ne cherche pas les followers. Tu as vraiment le moyen de faire le groupe privé. C'est que je fais ça quand en privé, même. Est-ce que je m'excuse encore? Je ne m'excuse plus. Ah, enjoy seulement. Écoutez, arrêtez. Non, le pays, c'est comme ça. Les taxes vont te tuer. Le gouvernement va te... Je suis en train de forcer pour que ça entre dans ta tête. Je veux que la bénédiction te remplisse. Je veux que ça remplisse. Je te réveille, tu es à 3 heures, tu as une idée de business. Ma part, c'est... Je suis trop béni. J'ai souvent cette situation où Dieu me... Un jour, j'ai réveillé, ça fait peut-être 2 semaines ou 3. J'avais une situation là, on appelle l'avocat. L'avocat dit sa part. L'avocat commence à décourager. Ah, tu sais, la procédure va prendre 3 mois. Il faut. J'ai dit que, hey, je mets ça en prière, je laisse. Un jour à 6h20, maman, je suis dans une salle de classe, dans mon rêve.
Il y a un professeur devant. Il dit, voilà son cours. Hein. Voici la procédure pour faire telle chose. Et quand il parle, je sens comment l'esprit de Dieu est en train de mettre. Il dit, écoute, comment tu vas faire? Tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu as besoin de ça. Tu demandes les lettres de telle personne pour prouver ça. Tu demandes comme ça. Tu fais la procédure comme ça. Donc, c'était comme le download. Je me réveille. Je dis que, yeah, Seigneur, toi, c'est là. Hein. Dieu, si le mot sorcier n'était pas déjà pris, j'allais dire que Dieu, c'est un sorcier. Mais Dieu, c'est Dieu. Moi, c'est là. Je dis toujours, ceux qui me connaissent, je n'ai jamais de problème dans ma vie. J'ai des situations. Et quand j'ai une situation, je sais toujours que Dieu va me mettre la personne ou les personnes qui vont me quitter. Je me suis réveillé, on s'est dit que non, je ne pouvais pas imaginer que ce que l'avocat doit me dire, normalement, toi, tu vas me dire dans le rêve. Et tu me dis déjà que je, quand il me réveille comme ça, bap, je prends mon cas, j'écris. Connaissez Dieu. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu connaît tes petits problèmes. Dieu va même te montrer à qui tu vas partir parler pour qu'on te fasse traverser pour arriver là-bas en Espagne. Vous ne connaissez pas Dieu. Aide-moi, aidez-moi, aidez-moi. J'explique les choses ici-là. Écoutez, vous n'avez pas besoin de me parler personnellement. Hein. Je n'ai pas besoin de connaître votre nom. Tu écoutes, ça te parle, ça t'active, tu prends, tu fais. Si tu peux envoyer ton offrande, tu envoies. Tu écoutes tout ce que j'ai dit, donner les instructions. Pas, tu t'assois, tu fais. Le Dieu qui m'a envoyé parler là, il est dans toi. Et il n'attend que tes actes. J'ai dit action, réaction, bénédiction. 2023, c'est, je sens qu'il va arriver à un niveau que moi, même dans le rêve, je ne sais pas si vous êtes déjà là. Je bénis ta dîme, Karine. Je bénis ta dîme. Je déclare l'arrosage. Je déclare que je pense qu'il y avait beaucoup de tes finances qui étaient bloquées, Karine. Je viens restaurer tes finances. J'arrose toutes tes arides qui étaient dans ta vie. Tout argent que tu attends, toute personne qui t'a promis beaucoup d'argent, tu attends depuis, ça ne passe pas. Je viens libérer ça cette nuit au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas besoin de vous connaître. Vous n'avez pas besoin de me... Parce que dès que tu me prends en personnel, tu commences à dire que j'ai fait comment tu as perdu ça. C'est quand l'Esprit de Dieu est en train de parler que tu dois... C'est le temps-là que tu te connectes. C'est pour ça que je vous ai dit que quand il parlait, c'est là les gens qui ont saisi, ils ont envoyé leurs offrandes. Tant mieux pour vous. Ne venez pas en privé parce que tu veux ma faveur. Je ne donne pas les faveurs aux gens. C'est Dieu qui donne, c'est pas moi. Parce que tu veux qu'ils te voient bien. Je ne vois personne bien au... Vous me connaissez, non? Vous me faites des inbox, non? Vous voyez? Souvent, tu envoies un message, ça fait même 5 jours. La semaine passée, on parlait bien. Hein. Tu m'écris la semaine si je ne te réponds pas. C'est après 7 jours. Souvent, tu écris même, c'est le mois prochain qu'ils voient ton message de dîme. Je vois deux messages de dîme alignés sur 30 jours que je n'ai pas ouvert ton message. Est-ce que vous devez comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui vous guide? Je ne suis pas dans la faveur. Après, quand tu vas te quitter pour aller voir d'autres personnes, la femme-là m'avait exploité. Elle m'avait... mon cotenio, je ne suis pas moi sur ça. Je ne suis pas sur ça. Elle m'avait exploité. Elle m'avait... Moi. Je comprends maintenant quand Jésus disait que... Ne prenez pas d'offense. Il a bien dit que celui par qui l'offense va venir fasse très attention. Voilà, j'ai parlé, elle n'a pas entendu. J'ai Sawadogu, ou c'est Sawadogu. Voilà, c'est le système que les églises mettent dans votre tête. Je sollicite des prières pour la santé de mon fils. C'est comme ça. Tu vas attendre. Le système de l'église fait que vous soyez des beggars, vous soyez des mendiants. Il y a une puissance à l'intérieur de toi. Tu attends que tu demandes et puis deux personnes se mettent et commencent à prier. Après tu dis Amen. Après tu attends. Donc, soyez. Je veux changer votre façon de voir les choses. Je veux vous. Tu restes comme ça là. Laissez. Je vais vous travailler en 2023. Souvent vous allez vous désabonner de ma page. Vous allez quitter sur ma page. Que la fille là, son niveau. Mettez pas encore l'église catholique restée.
Mon prêtre là, il me prend doucement comme il faisait sa petite parole là. Oui. Les petites paroles du prêtre là, petit à petit. J'ai pour faire le rythme là. Tu es dans quel pays, Yomé? Ça doit être peut-être Côte d'Ivoire ou bien je sais pas. Tu es dans quel pays? Madame qui attend ces vidéos des bains, ne me donne pas les mots de tête. Je viens de voir ton message inbox. Tu as compris, non? Ah, yeah. Écoutez, hein, je vais vous prévenir. Quand tu me demandes de faire un travail pour toi, je fais le travail quand l'esprit me dit que travaille. Je dois vous dire ça d'abord, cache. Si tu es encore dans ce direct, je vais voir ton message. Tu me vois, je suis en direct. J'ai prévu de faire le direct au départ pour 15 minutes. Je suis là peut-être à 2 heures de direct. Et il est 19 h dans le pays où je suis. Si mon message ne t'intéresse plus, déconnecte-toi calmement. Nayo. Et si ça ne va même pas, je te rembourse ton argent calmement. Moi, comme ça, je fais mes choses. Calmement. Il ne veut pas la pression. Souvent, même je suis censé faire le lavage. Après, mes coups, je dors. Je dors bien. Je me réveille, l'esprit me dit maintenant que, ok, voilà. Je ne travaille pas dans le stress. Les Américains, là, ne me stressaient pas. Vous avez compris, non? Voilà. Do not stress me. I do not know stress. Stress, ce n'est pas mon nom. Ça ne rentre pas dans mes. C'est fort, tu connais très bien. Tu me connais. On ne me stresse pas. On ne me stresse pas. Je crois que tu en sais quelque chose. Parce que je ne vous dirai jamais ce que l'esprit ne m'a pas dit. Je ne parle pas pour vous faire plaisir. Je reste, on me dit, dis ça, je dis. On dit que c'est bon, j'arrête. Parce que je sais que si il dit ce qu'il est en train de dire, ça va confirmer ce qu'il y a dans ton cœur. Ça va aller agir dans ta vie. Ça va te guérir. Ça va apporter ton argent. Je ne parle pas pour mon intelligence. Ce n'est pas ma tête qui est en train de parler là. Je n'ai pas le script ici. Je n'ai rien que j'ai écrit ici là. Vous voyez comme ça, je reste, je prends une parole. Voilà la Bible à côté de moi. Voilà la Bible. Je reste, je fouille dans ma tête, je cherche dans la Bible ici, je lis, vous écoutez. Parfois, tu restes comme ça. Dieu a déjà commencé le travail, tu ne sais pas. Et je vous dis souvent que quand votre argent touche ma main, ne vous dérangez pas. Je connais le Dieu avec lequel je travaille. Je connais le Créateur avec lequel je travaille. J'ai des personnes souvent qui m'ont envoyé leur argent pour le travail. Je tourne, je fais 2 semaines. Souvent, je fais même un mois avant de partir faire ton travail. Parce que j'ai un lieu où je dois faire ta part de travail et je ne suis pas là-bas. Une semaine avant que je ne fasse le travail, elle me dit, maman, mes portes là se sont ouvertes. Il m'a envoyé le message, c'est là, elle a payé ça fait combien de jours? Ça fait 8 ou 9 jours qu'elle a payé. Et je vois même ce qu'elle me demandait. Oh, je veux que mon copain devienne comme ça. Je veux que tu le manipules comme ça. J'ai lu ça en passant. 2 jours plus tard, elle m'écrit encore. Et il y a un truc sur mon WhatsApp, je ne sais pas ce que ça fait, ça supprime les messages. Certaines conversations se suppriment seules. Je regarde sa conversation, je dis que mamie, je ne trouve plus rien de nos conversations. Que là où tu me vois là, je ne sais pas pourquoi, mais ta part, c'est bizarre. Elle l'écrit encore à nouveau. Je vois. Je dis, ah, d'accord, j'ai compris. Elle se lève hier matin. Hier, oui. Elle est aux États-Unis, donc c'était le soir chez eux. Ou quoi que c'est passé? Oh, c'est devenu fort, mon copain. J'ai dit, ma chérie, s'il te plaît. Please, I beg. Tu n'écoutes pas mes vidéos là où tu es là, premièrement. Deuxièmement, je suis sûr que tu ne te laves pas celle toi-même. Donc, de ton côté, tu n'as rien commencé de tout ce que je dis dans mes vidéos. Tu n'as pas commencé. Troisièmement, je t'en prie, dis-moi le moyen par lequel tu as payé, je te rembourse ton argent. Hey, elle a commencé à chauffer. Quand elle vous rembourse, quittez sur ma page, désabonnez-vous, je vous en prie. Je vous en prie, I beg. Je ne vous comprends pas souvent. C'est le cœur, je ne sais pas comment vous faites. Là, voilà. Hein? J'ai dit que mamie, je suis en train de faire mon direct, il est 6 h. Quand il finit le direct, il va voir mon comptable, il te voit, il t'envoie ton argent.
Dès qu'on a viré son agent, j'ai envoyé la capture d'écran. Si tu m'écoutes, j'étais bloqué. Quand j'étais envoyé ta capture d'écran de ton remboursement, j'étais bloqué. Tu as compris? Parce qu'elle vous connaît avec vos mauvais cœurs. C'est comme si un esprit dans vous. Après, on a dit oui, ça veut dire que je ne fonctionne pas comme ça. Il y a même des gens qui venaient à Jésus, Jésus les insultait. Mais tu veux quoi? J'ai tant vos enfants d'Israël, j'ai peut-être tant vos chiens. J'ai peut-être vos chiens. Seigneur, sauve mon enfant, je ne suis pas vos chiens, c'est quoi? Elle dit, Seigneur, même les chiens peuvent manger les miettes de pain qui tombent de la table. Elle a passé son test. Il dit, va maintenant, ton enfant est guéri. Écoutez, vous n'allez jamais me forcer, je ne suis pas imposteur. Je dis, on est pour, c'est impostrice, c'est quoi là-haut? Je ne vole pas votre argent. J'ai déjà tellement l'argent. Je ne suis pas là, je ne cherche pas vos 1000 dollars, vos 5000 dollars. Je ne cherche pas votre argent. Parce que votre point, parfois, c'est que quand vous faites comme ça, vous tombez sur les gens qui vont. Dès que tu écris, la personne, elle répond. Ta, 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 oui, oui, oui. Tout ce que tu demandes à la personne, dit oui, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Tout ce qui veut se marquer, envoie l'argent, envoie l'argent, envoie l'argent. Tu envoies et commence à te bloquer maintenant. Je ne suis pas là sur ça. Je ne suis pas là. Waouh, on va t'opérer ton fils. Alors qu'il avait un plâtre. Gloire à Dieu. Waouh, tu t'opères. Les opérations sur l'enfant, c'est très délicat. Ah, si vous pouviez comprendre. Malheureusement, sur les réseaux sociaux de nos jours, on a de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Parce que quand tu viens, tu te mets comme ça, là, tu ne sais pas qui est derrière la caméra. Je vous dis toujours. Ah, d'accord. Quand on faisait la prière sur Zoom, tu avais mis la main sur le ventre et tu as prié pour ton enfant. Ça, c'est super. Nous, selon ce témoignage, nous déclarons la guérison totale de ton enfant au nom de Jésus. Et nous le protégeons de toute future fracture que l'ennemi avait prévue même d'abord. Amen. Et malheureusement, les gens aiment qu'on les trompe. Like, vous avez une forte propension à être à tendre vers la tromperie. Vous aimez ça. Tu vois, tu rencontres deux hommes, un sérieux, un qui est mafiosa. Ton cœur va partir sur le mafiosa. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit toujours, je suis là pour le long run. J'ai beaucoup de choses à faire pour les gens. Donc, je ne suis pas pressée. Je ne suis absolument pas pressée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont encore... Si vous venez, vous voyez, vous n'êtes pas encore suffisant. Il y a encore, il y a des milliers de personnes là dehors. Des millions de personnes. Que s'ils écoutent, ils ne sont pas encore tombés sur ma page. Peut-être c'est en décembre 2023 qu'ils vont tomber et dire que la femme, c'était où depuis? Tout comme vous. Donc, je ne suis pas ici pour courir. Je ne cours pas. I got time. J'ai du temps. Je suis encore jeune. D'ici là, beaucoup d'entre vous, vous serez déjà mûrs. Vous serez déjà mûrs, grands, spirituellement. Si en 6 mois, tu as pu voir ton évolution. Parfois, quand je regarde, je me dis, waouh, si en 6 mois, j'ai fait ça, dans 6 ans, je serai où? Si je continue, ça va même lancer. Donc, pensez-y. Bon. Ah, j'ai parlé jusqu'à... Je n'ai même pas bu l'eau depuis. Hein. La famille, non. Oh, oh. Eh, quelle est... Ça fait 3 heures, maman. Je ne sais pas si c'est grave. Oh. Du coup, Odia, si quelqu'un pouvait m'apporter le macabo râpé ici, là, je mange, moi. Je veux le macabo râpé. Voilà, je sens que j'ai à tout dire, j'ai à tout dit ce qu'il fallait dire. Ok. Oui, Jordan, c'est le numéro là, oui, il n'y a pas de problème. Donc, je vous bénis vos activités de ce soir.
vos rêves, que vous rencontrez beaucoup de stars dans vos rêves cette nuit. On vous donne beaucoup d'argent. Ok. Bonne nuit. Dormez dans la joie. Ne laissez personne enlever la joie. Vous voyez l'assurance que vous sentez en vous là, non? Reine Christelle, t'as pas, ton cas est grave. J'aime la sauce blanche. Souvent, j'aime la sauce grillée. Quand il est au village, j'aime la sauce grillée. Mais en ville, j'aime la sauce blanche. Parce que la sauce grillée du village, elle met le bunga dedans. Je mange qu'avec le bunga. Voilà. Donc, comme je suis sûr que tu es en ville, donc je veux savoir la sauce blanche. Je vais te commander. Attends, elle commande ma nourriture, non? Elle peut me faire le truc, le râpé, c'est comment? yeah. Ne laissez personne prendre votre joie. Argent et joie vont toujours ensemble. Argent et joie. La plupart du temps, les deux vont ensemble. Parce que quand tu n'as pas l'argent, tu es triste. Par contre, quand imagine si tu reçois 1 million dans ton compte là maintenant. Quoi? Mof. Tu vas danser comme ça là. L'argent est venu, c'est comme ça. L'argent est synonyme de joie. Et ne faites pas les faux chrétiens. Hein. Ah non, moi, si c'est l'argent, moi, je n'ai. Laissez-moi vos bêtises là. Ne faites pas l'hypocrisie ici. Donc, recevez votre argent ce soir. Qui va vous donner la joie? Oh my God. Recevez vos voitures là-bas aussi, vos voitures neuves et voitures neuves. Tu vois, comme tu, quand tu conduis, tu sens le carburant dans la voiture là. L'année, si là tu aurais une nouvelle voiture. Oui, moi j'aime que les chaises en cuir parce que j'aime l'odeur du cuir. Je dois déposer ça dans votre esprit pour que ça produise. Oui. Vous serez riche l'année prochaine. Je sens qu'avant la fin de l'année, il faut qu'on commence à planifier déjà les réunions. On va faire les conférences de Bentley. On dit que si quelqu'un n'a pas la Bentley, si tu n'as pas, tu peux louer. Bentley Range Rover. Ton ticket d'entrée, c'est la Bentley ou la Range Rover. Tu arrives au portail, on voit. D'accord, on te laisse entrer. Mm-hmm. On ne paie pas les tickets d'entrée, on paie avec la voiture. Tu passes, tu arrives, ok, entrée. Oui. Wow, Jordan, ne viens pas gâter. On entend parler de Bentley ici. C'est quoi avec toi, Jordan? Qui t'avait tes souffrances? Oh, Seigneur, aidez-moi, Jésus. Ne viens pas gâter le direct, pardon. Tu as compris? Oui. La réunion des nouvelles voitures. Voilà. Vous entrez. Tu t'assois comme ça là. La clim dans la voiture veut seulement ta mort. Voilà, on part à Dubaï faire les séminaires. En fait, on fait même le séminaire, on ne parle même pas. Hein. On part dans l'un des endroits les plus riches de Dubaï comme ça là. On se couche comme ça là, l'argent entre dans notre corps. On respire l'argent. On mange l'argent. On te masse, l'argent entre dans ton corps. On te fait les soins de visage, l'argent entre sur ton visage. On ne parle pas. Hein. Après, on rentre dans l'avion. On entre dans l'avion, on rentre. C'est tout. Oui. On ne fait pas les. Hein, on ne bavarde pas.
Tu te couches. L'argent entre sur toi, ça entre, ça entre. Cap Kono. Couche, ça go, ça go. Après, tu te lèves comme ça, tu fais. Ok. On peut rentrer au Cameroun. Écoutez, il y a un degré où l'argent devient. Il y a même les environnements où quand tu arrives, tu sens que ta démarche doit changer. Tu te relèves comme ça. Là. Tu dis qu'il faut que je marche un peu différemment. Tu vois les chaises de la maison là. C'est comme s'il y a l'or sur la chaise là. Pour t'asseoir, tu dis, ah, est-ce que mes fesses sont sales? Il y a les environnements que c'est l'environnement qui entre dans quoi? Oui. C'est ça. On ne parle pas. Tu restes comme ça là, tu checkes ton téléphone. Vous avez reçu 5 millions de francs CFA. Tu déposes le téléphone, tu dors encore. On met les trucs là sur ton visage. Ils ont un truc pour le visage comme ça qui fait. C'est comme s'il y a une lumière UV dedans. Mais comme ça, après tu guettes un peu comme ça. Vous avez reçu 5000 euros sur votre compte. Tu déposes encore. Tu couvres encore, tu dors. Écoutez, vous n'êtes pas venu accompagner les gens sur la terre. On n'est pas venu accompagner les gens sur la terre. Je me suis rendu compte que tout ce que tu vois, tu commences à planifier. Tu t'entoures bien. Et tu résistes à l'envie de te décourager. Parce qu'autour de toi, tu auras les gens qui vont dire, ah, ce n'est pas possible. Tu restes comme ça un beau jour. Pap! Tu es aux Champs-Élysées. Alors qu'avant, tu étais à Bafoussam. Après, tu te retrouves à la Maison Blanche. Parce qu'il y avait un groupe de personnes qu'on a choisi dans le Commonwealth. Un truc bizarre. Quelqu'un t'a pris, il a lancé ta photo au hasard. Après, on dit, vous êtes sélectionné pour aller dans la Maison Blanche. On te dit, ok, le visa sera déjà gratuit, madame. Alors, laissez-moi votre passeport à l'ambassade. Tu te retrouves, pam, 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 pam. Tu es dans la salle d'attente de la Maison Blanche. Vanessa, votre compte a atteint un maximum de dépôts. Aïe, les gens, c'est là, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous commenciez à rêver, je vous en prie. Commencez à rêver. Parce que malheureusement, on est dans une ère où, on est dans un moment, dans une époque où, si tu oses rêver et dire que tu rêves, c'est comme si tu blasphémais. Quand tu blasphèmes, tu te prends pour qui? C'est pour ça que quand vous voyez les Kim Kardashian, elles te montrent le parking avec 5 voitures. Et qu'une de ces voitures-là achète ton quartier. Ça t'énerve. Donc on prend une de ces voitures, on vend, ça construit toutes les maisons de ton quartier. C'est là que tu te dis que, gars, on n'est pas venu accompagner les gens sur la terre. Kim Kardashian, tu sais que Kim l'a pas aussi aux toilettes, non? Elle pisse aussi, non? Et elle fait le numéro 2 comme tout le monde, non? En anglais, on dit number 2. Je sais pas comment dire en français. Vous savez aussi, elle fait ça comme tout le monde, non? Parce que si Dieu l'avait créée, c'était une race super extraterrestre, je sais pas trop. C'est qu'elle sera accrochée dans le ciel. Voilà. En tout cas, c'est ce que je me dis dans mes méditations souvent, hein. J'aspire seulement, ça vient vers moi. J'aspire l'argent, ça vient. J'aspire l'argent. Je laisse ça entrer dans mon corps. Ça entre dans mon corps. Je dis que yes. Konam. Kola. Bon. Bonne année à vous. Je sais que c'est vous qui m'attachez ici là. Je veux partir depuis vos intentions, là, vos prières. Que le Seigneur bloque là ici.
Il vous a fait quoi? Bonne soirée. Bonsoir, madame.